Alors, au Créateur, que votre esprit et vos conseils nous accompagnent tout au long de notre travail pour le bien de tout notre peuple, pour assurer la paix et la justice au sein de notre terre et reconnaissant sans cesse la dignité et l'aspiration de ceux et celles que nous sommes appelés à servir. Bienvenue à tous et toutes. Déclaration des ministres. Le ministre de MACA. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente du ministère des Affaires municipales et communautaires, continuez à faire du recouvrement. J'aimerais vous offrir un survol des efforts qui ont été entrepris jusqu'à date concernant le travail en cours. Alors, le recouvrement qui est en train de être mené, soutenu par le gouvernement fédéral et provincial, offre des processus et services en train de travailler en concert avec le gouvernement fédéral. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest continue à travailler avec les communautés qui ont été frappées, demeurent en sécurité et que les résidents reçoivent les services nécessaires. On va continuer à se soutenir les communautés pour en matière des services d'urgence et récupération d'inondation pour pouvoir s'attaquer à les enjeux liés au changement climatique et les catastrophes climatiques. L'inondation de 2021 a une incidence sur 5 communautés qui a résulté dans des coûts de 35 milliards de dollars. Nous avons entrepris la réparation des maisons et de mesures d'atténuation pour prévenir des inondations à l'avenir. Dans ce processus, les logements ont été déplacés. Nous avons le projet d'inondation 2021 arrivé à la fin. On vise à replacer certaines maisons et de régler certaines réclamations. Alors, il y a une revendication qui va être faite sous le plan d'urgence du Canada. Alors, les inondations de 2021 étaient significatives. Alors, les coûts de récupération d'inondations pour Hay River et la Première Nation Clemency est 174 millions de dollars qui pourraient changer lorsque le travail de récupération continue. Il y a eu 485 demandes qui ont été faites en matière d'atténuation d'urgence, entre autres, même que si des réclamations ont été conclues, on continue à travailler de manière acharnée. On continue à prendre les inondations de 2021, le projet de récupération, et nous avons apporté plusieurs changements de la manière dont le ministère soutient les communautés et les résidents en vue des catastrophes naturelles. Cela comprend comme mettre en place des processus pour soutenir les programmes des programmes de revenus et d'assistance en matière des catastrophes naturelles. Suite à l'examen que nous avons mené, a démontré les leçons tirées et cela va être fait dans 2023. L'examen en 2022 est en train d'être terminé et sera partagé avec le public sous peu. Le plan d'atténuation est en train d'examiner aussi. Les conclusions seront partagées plus tard. On continue à travailler en collaboration avec Hay River et le gouvernement fédéral pour identifier des opportunités de financement qui ont été identifiées par la ville de Hay River. On est en train aussi de faire une évaluation d'atténuation par la Première Nation de Tanitui. Et ces types de plans sont complexes et demandent du temps pour la prise de décision. Pour savoir quels projets municipaux sont disponibles ou peuvent être admissibles à des programmes fédéraux. Madame la ministre, il est difficile de pouvoir déterminer à quel moment on va être frappé par une catastrophe naturelle. On est en train de voir comment on peut mieux réagir. On est en train de travailler avec le ministère de l'Environnement et Ressources naturelles et la ville de Hay River et la Première Nation de Kachos. C'est la préparation aux inondations et aussi la préparation de
mesures d'atténuation. On est en train de travailler avec le gouvernement fédéral pour faire avancer les programmes de financement pour pouvoir aider la finance à long terme et pouvoir s'attaquer à des questions de changement climatique et leur incidence sur les collectivités. Pour ceux qui pourraient comprendre l'érosion du permafrost, entre autres, j'aimerais remercier les efforts acharnés de tous les volontaires qui ont porté main forte pour aider la communauté. J'aimerais remercier les gouvernements communautaires qui ont travaillé en concert et ont fait preuve de collaboration. J'aimerais remercier tous les personnels qui étaient sur le terrain qui ont assuré ce travail de réadaptation. Je l'ai déjà dit que les inondations de 2021-2022 étaient sans précédent. Et la récupération et le temps nécessaire pour cette récupération a été long. On est plus fort lorsqu'on travaille ensemble et on devrait être fier de la résilience et la générosité, la détermination qu'on fait preuve pendant cette urgence. Merci, Monsieur le ministre. Je me demande à qui vous parliez. Bon, Madame la Présidente, je peux dire que les employés des gouvernements des territoires du Nord-Ouest sont notre plus grande ressource et nous devons continuer à livrer des services de qualité partout dans le territoire. C'est voilà la raison pour laquelle le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, comme beaucoup d'autres employeurs du Canada, veut s'assurer que le public soit engagé et bien heureux. Par le passé, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a fait une enquête pour voir la satisfaction des employés. C'était la première fois que cela avait lieu depuis 2015. Et cela est très important pour savoir qu'est-ce qui se passe au sein du gouvernement pour que l'on puisse apporter des améliorations. Les résultats de cette enquête ont accentué le dialogue entre les employés et les spécialistes des ressources humaines. La satisfaction des employés était à 48% en 2021. Les indices n'ont pas changé depuis les scores de 2016. Dans les trois catégories où on s'est amélioré, c'est dans le développement, le leadership, la diversité, l'inclusion. Et ceux-ci ont eu une croissance beaucoup plus élevée à 5,8%. En comparaison avec les autres juridictions, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a eu un cap bien au-delà et il est excellent dans bien des catégories. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest a eu un score de 4% plus élevé que les autres juridictions. Madame la Présidente, même si nous sommes meilleurs dans d'autres catégories que dans certaines juridictions, il y a encore des endroits où nous devons nous améliorer. Un, par exemple, c'est le moral. Depuis l'enquête de 2016, le moral a descendu de 3 points. La pandémie a sûrement affecté le score des employés, mais ce n'est pas le seul défi auquel nous avons fait face. Nous devons tout de même passer à l'action. Il y a tout de même des disparités dans le score entre le gouvernement. Nous avons reçu, et si nous serons capables de passer aux différents défis que nous avons pour les employés. Le ministère des Finances a aussi travaillé sur un groupe interministériel pour pouvoir améliorer la satisfaction sur les lieux de travail dans les territoires du Nord-Ouest. Cela va nous aider à mettre les ressources aux bonnes places dans les ministères pour pouvoir ainsi nous adapter. Je voudrais vraiment remercier tous les employés. Le gouvernement des territoires du Nord-Est vous remercie beaucoup pour tous vos commentaires et nous voulons continuer à contribuer à votre succès pour avoir un environnement de travail sécuritaire en santé. Nos employés et les attentes des employés sont en train de changer. Madame la Présidente, nous devons nous adapter. J'ai très hâte de voir tout le travail qui sera fait vers l'avenir. Merci, Madame la Présidente.
Merci, Madame la ministre. Déclaration de ministre, ministre de la Société du logement des territoires du Nord-Ouest. Madame la Présidente, la Société du logement des territoires du Nord-Ouest marque son 50e anniversaire avec notre doublement stratégique. On vise à apporter des modifications, des améliorations de la manière qu'on mène nos affaires. En particulier, on peut se centrer sur l'établissement et la promotion de liens qui va mener la journée nationale du logement. Et en vue de cette journée, j'aimerais vous partager quelque chose de fort enthousiasmant qui ont fait une différence pour soutenir le logement et assurer que ça fonctionne au cours des années, Madame la Présidente. Dans des déclarations précédentes, j'ai partagé avec cette Chambre les améliorations qu'on est en train d'apporter sur notre stratégie qui comprend aussi la collaboration avec le gouvernement autochtone. Avec notre nouveau mandat, il y a un engagement envers la réconciliation et la collaboration concernant les priorités des gouvernements autochtones. Nous sommes positionnés de travailler ensemble en vue de l'avenir pour améliorer la vie des Sénois et Sénoises. Madame la Présidente, tel que je mentionne à plusieurs reprises ici dans cette chambre, la crise du logement ne peut pas être résolue par notre ministère simplement. Même s'il y a des annonces fédérales à mener à l'établissement de projets intéressant, j'aimerais reconnaître les organisations communautaires qui ont travaillé avec le ministère des Sociétés du Logement pour pouvoir répondre aux besoins que leur communauté ont. On a un petit programme, le petit programme d'initiative ou l'initiative de logement petit. Alors, on a travaillé avec pour développer le programme communautaire de logement. On a vu comment les organisations ont trouvé des solution de logement pour le personnel et on a vu comment les organisations ont soutenu les propriétaires en faisant des travaux d'entretien de fournaises et de bâtir des rampes. Ces organisations communautaires, avec le soutien de notre ministère, ont été capables de soutenir les besoins et les priorités de notre communauté avec le financement fédéral qui arrive au gouvernement autochtone, je vois uniquement des opportunités pour pouvoir accroître nos efforts et d'accroître nos collaborations. Même si ce renouvellement, c'est pour nous positionner à l'avenir, c'est aussi de reconnaître l'histoire. Au cours de ces 50 dernières années, la Société du logement des territoires du Nord-Ouest a existé et est en train de soutenir les Ténois et Ténoises qui ont des besoins de logement. Et pour le faire, il y avait toujours des employés passionnés et dédiés qui travaillent pour les Ténois et Ténoises. Sur le jour de la Journée internationale du logement, j'aimerais célébrer le travail acharné du personnel présent à Saint-Saint qui travaille pour nos organisations de logement communautaires, nos autorités régies locaux. Il y a tellement d'entrepreneurs et parties prenantes qui ont travaillé à différentes échelles et ils ont allé au-delà de leurs responsabilités. J'ai entendu des histoires, des employés qui ont aidé, des personnes affectées par les inondations, des gens qui ont été atteints par des incendies, et d'aider les gens à naviguer les différents programmes et services gouvernementaux. Nous sommes composés de personnel qui font preuve de leur entraide. Alors, avec ce 50e anniversaire, on va mettre en lumière ces compétences. On veut que les Ténois et Ténoises marquent cet anniversaire avec nous. La Société du logement territoire du Nord-Ouest invite les bureaux locaux d'offrir des célébrations pour marquer la Journée nationale de logement le 22 octobre, qu'ils offrent par exemple des différents événements, patinage artistique, entre autres. Ça va vraiment offrir une opportunité à la communauté de célébrer les différentes organisations et régies de logement qui soutiennent les programmes de logement au sein de la communauté. Je suis ravie de annoncer que nous travaillons envers une subvention d'éducation qui travaille dans ce secteur. La Société de logement soutient les différents métiers et différents types d'apprentissage. Alors, ces subventions vont pouvoir aider les individus qui veulent travailler dans le secteur du logement. Des détails pour cette initiative sont en train d'être développés présentement, de la manière dont, par exemple, les étudiants vont pouvoir envoyer leurs demandes et le processus de sélection. J'ai hâte de partager ces données
en avance du lancement du programme. Nous croyons que nous continuerons à jouer un rôle important ici dans le territoire. Par exemple, la gestion de propriété, l'entretien et le développement. Alors, je crois que ces subventions vont encourager les générations à venir et les encourager à poursuivre leur passion et l'excellence dans notre travail de progression, de développement, de la stratégie. Je vais travailler avec les organisations, gouvernements autochtones, les autres parties prenantes pour rendre le logement plus abordable et accessible pour les plus vulnérables. Merci, Madame la Présidente. Déclaration, Miss. Déclaration, député. Député Tabacha. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, aujourd'hui, je dois continuer à exprimer ma frustration pour voir l'état du logement dans les territoires du Nord-Ouest. Et nous devons servir tous les citoyens des territoires du Nord-Ouest. Pendant tout le terme, tous les députés ont parlé d'histoire négative, de qu'est-ce qui se passe dans les logements. Et je ne les blâme pas. Le logement dans les territoires du Nord-Ouest sont vieux. Ils ont besoin d'être réparés. Et beaucoup de ces réparations n'ont pas lieu après des semaines, des mois, même des années. Nous avons besoin de logement social. Le problème, c'est que nous ne sommes pas capables de le réparer. Les propriétaires ne sont pas capables de couvrir tous les dommages. Et quand est-ce que la société de logement prendra la responsabilité de la négligence dans le logement? Où est la ligne? De plus, Madame la Présidente, beaucoup de mes collègues ont souligné les enjeux du logement, particulièrement dans ceux... Je suis d'accord avec mes collègues. Le gouvernement doit examiner toutes les politiques de logement. Chacun ici vit une situation différente. Par contre, ce sont les gens à faible revenu et vulnérables qui ont une grande charge dans cela. Et cela prend beaucoup de temps. Il doit y avoir un mécanisme pour offrir plus de soutien, pour aider tous ces gens qui sont pris dans ces situations. De plus, Madame la Présidente, je soutiens l'idée d'avoir une autorité en ce qui a trait au logement, pour qu'ils puissent voir qu'est-ce qui se passe au sein des communautés. Il a été apporté à mon attention que les autorités de logement à Fort Smith n'ont personne actuellement pour faire ces vérifications. C'est inquiétant. Une fois, par exemple, qu'un membre du conseil a été choisi par l'autorité du logement, alors ça prend 3 mois pour pouvoir avoir une approbation. Cela n'est pas acceptable. Il y a de la bureaucratie. Député Tabacha. Votre temps est expiré. Député Tabacha demande plus de temps pour terminer son allocution. Il n'y a personne qui est contre. Allez, vous pouvez conclure. Ce n'est pas acceptable. C'est ce genre de bureaucratie qui donne trop de pouvoir à la société de logement, mais qui enlève du pouvoir au niveau local. Pour terminer, Madame la Présidente, je n'aime pas terminer une assemblée comme cela. Mais j'espère que tous les ministres vont comprendre ce qu'on va dire et qu'ils pourront apporter des changements concrets et positifs au sein de la Société de logement des territoires du Nord-Ouest. Je veux avoir plus de réparations, plus de logements construits. Merci, Madame la Présidente. Merci à la députée. Merci, Madame la Présidente. Alors, au cours de ces dernières 4 semaines, mes déclarations de députés se sont centrées concernant les inquiétudes des résidents des Hay River.
Madame la Présidente, on doit se rendre compte, et si je me rappelle correctement, Hay River a dépendu de l'infrastructure de transport maritime pour la transportation de la pêche, entre autres. Sans avoir ce canal et ce port, on va perdre notre capacité d'offrir un souverain pour pendant des décennies à aider à subsistir notre en communauté, ainsi que celles plus éloignées qui sont seulement accessibles par avion ou par rivière. Si on perd la barre du garde côtier et les mines de pêche, etc., Madame la Présidente, ça peut avoir une incidence sur des emplois de Hay River. Ça peut avoir aussi l'expulsion de plusieurs résidents pour la manque d'opportunités d'emploi. On voit déjà un déclin dans notre population et on doit faire quelque chose pour pouvoir renverser cela avant que ça devienne une tendance, Madame la Présidente. L'accès à la voie est fort important parce que sans cela, on serait rien parce qu'on sait justement que l'autoroute termine ici, Tout vient sur Island Sea, que par la suite, transféré sur les barges, on est un centre d'infalagique. On est aussi avec tout on accède de Cisco Metals et aussi pour pouvoir transporter le minérail pour que ce soit traité dans le sud. Nous avons des projets tels que Sabine Gold, la Nunavut qui dépendent de notre port pour pouvoir déplacer les équipements au site. Comme notre session papa résumé justement de février, de chaque temps entre maintenant et ce pour là, je m'attends que ce gouvernement passe un message fort important au gouvernement fédéral et que le message soit le suivant, que la revitalisation du port de Hay River est une priorité pour les intervenants, pour la ville de Hay River et pour le territoire du Nord-Ouest. Et on a besoin de leur soutien. Merci beaucoup. Merci, député. Déclaration de député, député de Mumphrey. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, j'aimerais parler de l'accès à l'électricité pour le peuple Klitschko qui vit au long de l'autoroute 3. Ils ont historiquement dans des petits camps et alors ils vont pouvoir faire des funérailles, et d'autres célébrations. Alors, il y a des résidents de Klitschko qui vivent toujours dans des camps et des cabines et des maisons au long de l'autoroute 3. Madame la Présidente, ici dans cette chambre, le 3 juin, la ministre d'Infrastructure a dit que la ligne de transmission Wati est, je cite, une initiative clé en vertu de notre stratégie énergétique. Alors, quel est le plan pour pouvoir assurer que ces ménages n'ont pas besoin de dépendre du diesel. Elle a dit que la ligne de transmission de Wattie va avoir lieu 100% sur le territoire de Klitschko. Elle a dit que le ministère de l'Infrastructure et le gouvernement de Klitschko travaillent en concert et je cite pour et déterminer un corridor acceptable pour la ligne de transmission entre Snare 4 et Wattie. Lorsque les autorités sont venues à Bicheco pour demander l'accès sur le territoire de Klitschko pour de Snare Hydro à Yellowknife, ils ont promis que les résidents de Klitschko auraient trois accès à l'électricité qui se trouvait sur le territoire de Klitschko. Madame la Présidente, les résidents qui vivent au long de l'autoroute 3 ne peuvent pas avoir accès à des génératrices abordable suite à une chasse. Nous avons déjà une ligne de fibre optique au long de l'autoroute et les lignes électriques pourraient être accomplies à un prix abordable ou raisonnable. Je vais avoir des questions pour la ministre de l'Infrastructure au moment adéquat. Merci. Ou la madame la ministre. Merci. Député de Great Slade. Merci, madame la présidente. Le mois de novembre est le mois autochtone de l'handicap. En 2012, il y avait plus de 2700 personnes souffrant d'handicap dans les territoires du Nord-Ouest. 62% des gens souffrant d'handicap sont autochtones. Il y a
Il y avait un homme, un autochtone, qui travaillait ici à l'Assemblée législative. Et tout le monde ici le connaissait à l'époque. Il était l'assistant du premier ministre. Il était un homme qui vivait, qui était plutôt sur une chaise roulante, mais il était combattant. Et il avait appris à ne pas vivre avec des limites. Il était de ma circonscription. Il était travaillant. Il était positif. Il était toujours à l'heure. Il allait toujours à l'église. Il était toujours le premier à se rendre à l'église. Ses parents étaient si fiers de lui et tout ce qu'il a accompli dans sa vie. Il est mort en 2006 à l'âge de 32 ans. Spirituellement, il était très fort. Il a toujours été une source d'inspiration pour les gens de notre territoire. Les gens qui souffrent d'un handicap dans le Nord font face à beaucoup de défis, particulièrement venir vivre à Yellowknife pour avoir du soutien. Cela veut dire que beaucoup de familles avec des enfants doivent venir vivre ici. Et au fur et à mesure que l'hiver vient, nous devons nous rappeler qu'on prend souvent pour acquis le fait que l'on puisse marcher tranquillement dans la neige. Mais cette neige est vraiment un défi pour les gens vivant avec un handicap. Ces gens-là, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus aller à l'école, ne peuvent plus aller à l'épicerie, ils ne peuvent plus aller faire leur petite commission. Le simple fait de quitter leur appartement peut être un problème. Madame la Présidente, tout le monde ici a une responsabilité pour s'assurer que les édifices de Yellowknife soient accessibles pour tous les gens qui ont un handicap, pour pas qu'il y ait de barrières. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de député, déclaration de député, député Yellowknife North. Donc, nous voulons construire un gouvernement qui soit ouvert. Mais en fait, en ce moment, c'est vraiment qu'est-ce qui est. C'est exactement l'opposé qui se passe. Nous sommes toujours fermés et nous avons fait des demandes pour avoir de l'information. Ici, dans les comités, mais l'information est toujours confidentielle. Chaque fois qu'il y a un capital, il y a un budget des investissements chaque année, nous avons toujours les mêmes documents qui sont rendus publics, mais aucun d'entre eux n'est vraiment public. Il y a des documents qui devraient être publics. Le gouvernement devrait les publier. Le gouvernement des territoires du Nord-Ouest devrait publier le document qui dit qu'est-ce qu'on a besoin pour les 20 prochaines années. Comme ça, les résidents pourraient savoir qu'est-ce qui se passe au sein de leur communauté et pourraient aussi savoir s'il y a des édifices qui devraient être remplacés au sein de leur communauté. Ensuite, dans le document pour 20 ans, on imagine souvent que c'est peut-être une espèce de liste où on donne un peu ce qu'est-ce qu'on veut. Par contre, un document sur 5 ans, celui-ci sur 5 ans existe, il est beaucoup plus concret et je crois qu'un plan d'investissement sur 5 ans serait beaucoup plus utile. Il devrait être public, mais actuellement, nous avons seulement un portrait sur 1 an de ce qui devrait être fait. On n'a rien sur le calendrier, on ne sait pas si quelque chose est complété et nous avons besoin de poser beaucoup de questions au sein de cette Assemblée pour savoir si un projet va être complété à temps. De plus, Madame la Présidente, vous pouvez voir que dans notre budget d'investissement, il y a seulement une ligne pour décrire les projets. Mais dans chacun des projets, il y a beaucoup de choses qui se passent derrière et je crois que tout cela devrait être l'information publique. Peut-être que quelqu'un est intéressé à savoir pourquoi est-ce que il y a des projets qui s'en vont année après année et qui sont tout simplement repoussés. J'aimerais pas perdre tout le temps au sein des communautés pour être capable de poser les mêmes questions année après année. J'aurai des questions pour la ministre des Finances pour être capable de voir si elle pourrait pas publier tous ces documents. Merci, Madame la Présidente. Merci, député. Déclaration des députés. Député de Gatcho. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, c'est notre dernière journée de session de l'automne et j'aimerais saluer mes collègues de deux côtés de cette chambre pour leur compréhension, bien sûr, pour faire une différence et rendre la vie meilleure pour les Ténois et Ténoises. Alors,
On s'efforce beaucoup lorsqu'on fait face à des budgets limités pour tous les ministères. Le personnel qui travaille avec nous et on apprécie tout ce qu'ils font pour nous. Vous êtes ceux qui vivent avec une grande et belle dépression. Vous êtes aimés, croyez-moi, et on est ici pour vous. Votre vie avait besoin de tomber en des petits morceaux. Peut-être vous avez vécu un moment plus brillant, peut-être aujourd'hui, peut-être demain, peut-être le jour après, ou peut-être tous les autres jours de votre vie. S'il vous plaît, il ne faut pas se rendre, il faut continuer. Et on vous inquiète pour vous. Alors, j'aimerais que saluer la ministre pour son travail, pour avoir soutenir la famille avec leur jeune bébé, qui les offre un ménage, ils offrent un lieu loin du froid. Madame la Présidente, pour terminer, j'aimerais souhaiter tout le monde qui peut être faire face à des discussions, des maladies chroniques, je souhaite la meilleure santé dans l'accueil de notre Créateur. On ne demande pas grand-chose sauf les simples choses de la vie. Merci. Député de Tunedewalade. Aujourd'hui, ça fait 266 jours que j'ai été élu pour représenter mes commettants. Il reste 330 jours avant les élections. Je veux refléter sur mon expérience. Je sens que mes commettants sont laissés souvent derrière. On essaie souvent de se rattraper, mais il semble qu'il n'y a rien que je puisse faire pour ralentir le débit. Je parle d'enjeux de logement. Mais je sens qu'on nous laisse dehors à cause des différentes politiques. Madame la Présidente, le budget de cette année était de 2,2 milliards de dollars. Et ma circonscription a reçu 1,7% de ce montant. On tente de régler. Il y a seulement 30 millions de dollars qui est alloué au logement. Pourtant, quand je regarde les besoins criants de ma communauté, je trouve ça épouvantable. Nous devons mettre plus de pression pour pouvoir nous assurer que quelque chose soit fait. Madame la Présidente, je rejette la notion que nous devons toujours nous entendre avec les priorités des ministres. Les priorités politiques sont importantes, mais les priorités ne viennent pas des politiciens, ils viennent des gens, Madame la Présidente. Lorsqu'on regarde, par exemple, tout le progrès qui a été fait, on voit que le Parlement n'a pas travaillé sur les enjeux les plus pressants. Madame la Présidente, j'aurai des questions à un moment approprié. Merci. Merci, député. Député de notre pote. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais prendre ce moment aujourd'hui pour remercier tous les députés ici dans ces chambres, des deux côtés des chambres, nous avons travaillé ensemble pour améliorer les choses ici sur le territoire. On va continuer à travailler ensemble. Et il y a des enjeux qui doivent être traités, mais on va les traiter en collaborant ensemble. Je sais que M. Bonatou l'a bien dit, pour remercier le personnel, on était capable de faire notre travail grâce à eux. Toute la recherche qu'ils font pour nous aider dans nos efforts.
J'aimerais aussi remercier toutes mes communautés, mes maires, mes conseillers, mes présidents, communauté, le conseil, les conseils des coop de ma communauté, les communautés des aînés, mes DA locaux et aussi notre personnel du centre de loisirs. Ils font tellement pour nos communautés pour pouvoir desservir nos commettants. J'aimerais remercier, c'est Evan Staley, j'aimerais vous remercier pour votre travail acharné que vous faites pour moi. Et je ne serais pas capable de faire mon travail sans ma femme Jenny. J'aimerais remercier Jenny, ma femme Jenny, parce que je ne serais pas capable de faire qu'est-ce que je fais sans son soutien. Et j'aimerais aussi que le 11 septembre, j'aimerais qu'on garde cette journée spéciale. Écoute tous les députés, si possible, de pouvoir assister aux cérémonies de la journée de souvenir et de faire cela où vous trouvez sur le territoire. J'aimerais remercier nos anciens combattants pour leur service, leur mandat actif, toutes les Rangers et tous mes confrères et consoeurs. Et sinon, on se voit dans 2 semaines. Merci, Madame la Présidente. Merci, député. Déclaration de député de Canada. Madame la Présidente, les chercheurs de santé ont identifié deux manières de réduire les coûts de santé. Alors, à travers la sensibilisation et s'assurer que les gens prennent leurs médicaments. Lorsque j'étais étudiante universitaire, ma professeure d'anglais et sa femme m'ont envoyé les médecins. Alors, ils étaient assis là, à attendre de leur bébé de déterminer la première chirurgie. Leur bébé est chirurgie, a survécu sa chirurgie. Elle a persévéré et elle a établi des records cette année au jeu territorial. Et elle est maintenant une étudiante à l'université de troisième année avec un GPA de 3,9 %. Elle est la seule résidente atteinte de la fibrose. Mais alors, à cause du coût de l'ordonnance, joue un rôle important pour déterminer où elle va vivre. Elle prend deux médicaments. Ah, un qui est financé par le gouvernement fédéral, qui coûte 300 000 $ par année, et le deuxième que le gouvernement territorial de l'Ouest soutient à 12 000 $. Si on apporte des modifications à la liste de médicaments, elle ne va pas pouvoir obtenir ces médicaments. Les pathologues de Paris vont payer vont recevoir ce paiement pour pouvoir qu'ils ne puissent pas recevoir ce médicament. Et les résidents des territoires ouest qui sont au-delà du seuil de revenu que le médicament pourrait coûter 20 000 $ vont pouvoir rentrer. Et les autres qui vont toujours choisir des opportunités pour des femmes et pour offrir ces médicaments aux autres. Alors, les seuils de revenus sont au-delà les salaires subsistants. Et cela ne compense pas pour ces ordonnances qui sauvent la vie. Ce fardeau sur les Tonnois va pouvoir un fardeau additionnel sur le système de santé. Avec ce changement, les Tonnois et Tonnoises vont se joindre à d'autres Canadiens et Canadiennes qui font face à le choix de ne pas remplir l'ordonnance, de couper sur l'ordonnance ou de trouver d'autres épargnes et que donc que ça va, qui va apporter un choix difficile. Si ces ordonnances ne sont pas prises, ça va les mener à des hospitalisations. Alors ça, c'est un enjeu qui occupe les préoccupations de tous les pays. Ici au Canada, c'est 77 millions de dollars. Et ici, la journée hospitalière et dans un hôpital coûte à peu près 12 000 dollars. Je demande le consentement unanime pour pouvoir terminer ma déclaration pour ma première fois pendant cette séance. La déclaration demande sur le consentement unanime pour terminer sa déclaration. Objection et aucune objection. Vous pouvez terminer votre déclaration. Merci, mes chers collègues. Madame la Présidente, alors ça, c'est un changement rapide qui regarde une ligne budgétaire dans un vacuum avec des effets néfastes sur la santé des Ténois et Ténoises et la santé du système. Je demande que ce gouvernement reconsidère cette approche. Ils ne comprennent pas le nombre d'individus qui vont pouvoir être admissibles pour le soutien et le coût qu'il va représenter pour le système. Merci, Madame la Présidente. Merci, Madame la Présidente. Avec la pandémie de
la COVID qui devient endémique. Je suis heureux d'annoncer qu'il y aura un festival le 20 septembre lors d'un long week-end. C'est un festival qui est célébré annuellement. Il a été célébré, la dernière fois qu'il a été célébré, c'était en 2019, au début de la pandémie de la COVID. Nous aurons un week-end plein de musique, plein d'ateliers. Le logo cette année, c'est quelqu'un qui joue de la guitare. Ce festival sera son 20e anniversaire. Ce festival est à la mémoire du député Lindsay Kiwin. À ce festival, on peut assister à différents ateliers. On peut faire toutes sortes d'activités. On peut écouter de la musique, faire de la peinture, rencontrer des amis. Nous pouvons aussi aller voir des artistes locaux qui créent, qui font les créations. Nous aurons aussi samedi Kate Wedding et ses enfants qui vont couper un gâteau. Les organisateurs aimeraient vraiment remercier tous et chacun qui vont participer à l'organisation du 20e anniversaire, particulièrement les résidents de Fort Simpson. Voilà aussi une communauté accueillante. Madame la Présidente, nous avons très hâte d'avoir ce festival. Merci. Déclaration de député, député de Yellowknife South. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, en tant que députée, l'une des plateformes que nous avons pour pouvoir soutenir du soutien pour les causes, les jeunes gens sont très affectés sur des plateformes comme YouTube, TikTok, pour qu'ils puissent être entendus. L'un de mes jeunes commettants, c'est un de ces jeunes qui utilise les plateformes de médias sociaux et il veut savoir quand est-ce que les gens écoutent. Elle a posté récemment sur Facebook, il parle de la réalité des jeunes, la réalité des jeunes, de quels les jeunes font face. La vidéo montrait, par exemple, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on n'est pas quelqu'un qui a l'air vraiment athlétique ou sportif. Et qu'est-ce qui se passe lorsqu'on obtient des commentaires négatifs lorsqu'on joue. Et cela montre un exemple, une sorte de stéréotype qui se passe lorsqu'on juge les gens selon leur apparence. Un autre exemple, c'est une femme qui ne s'habille pas de façon traditionnelle pour une femme et qui ne s'habille pas de la même façon qu'on pourrait en s'attendre. Donc, ces gens-là sont victimes de commentaires. Cela montre que nous devons changer nos valeurs. Et Madame la Présidente, mais les jeunes disent que c'est vraiment pas bien. Je me souviens, par exemple, quand moi j'étais jeune, on me faisait aussi des commentaires parce que je n'étais pas très athlétique. Bon, OK, ça me fait plus mal aujourd'hui. Par contre, je suis toujours au courant de l'importance de la bonté. Nous devons demander et nous devons avoir le courage de poser des questions, de voir pourquoi ça se passe. Madame la Présidente, je vois beaucoup de courage chez les jeunes aujourd'hui, particulièrement les jeunes et les femmes ainsi que les gens divers. Nous ne devons pas nécessairement nous conformer aux visions rigides et nous devons nous assurer que les jeunes puissent profiter de toutes sortes d'activités. Nous devons être inclusifs, respectueux. Et je suis très fier que les jeunes puissent collaborer à ce que ce message puisse être lancé. Quand j'étais jeune, je n'aurais pas eu son courage. Mais aujourd'hui, je veux prendre l'occasion pour pouvoir élever sa voix. À elle, ainsi que tous ses amis, je crois qu'ils pourront accélérer un changement social. Merci, Madame la Présidente. Merci, député. Déclaration député. Député de Range Lake. Merci, Madame la Présidente. Cette semaine, je vais faire trois déclarations de députés sur
Ou concernant la journée de souvenirs, lorsque ces jours s'avancent, j'aimerais prendre le moment pour pouvoir mettre en lumière les sacrifices des femmes et hommes qui représentent notre nation. Ils aident à défendre la démocratie pour que tous et toutes puissent vivre libres d'oppression. Madame la Présidente, lorsque quelqu'un est demandé de défendre notre nation, il laisse en arrière des amis, leur famille, des enfants, des parents et des chers. Ces individus continuent à aller au travail, de prendre soin de leur ménage et de leur famille. Ils vivent leur famille en se demandant si leur personne chère va revenir. Les blessures des guerres vont au-delà des lieux de bataille. Les vies de plusieurs ont été impactées par la guerre. Il est important de se souvenir et de honorer ceux qui vivent avec les sincères néfastes de les missions de paix que le Canada a menées. Plusieurs d'entre nous ne vont jamais avoir besoin de vivre l'appréhension de donner un câlin à quelqu'un juste avant qu'il monte un avion. J'espère qu'on va vivre le moment lorsque ils sont indiqués que leur personne chère ne peut pas retourner chez eux. Et il faut une personne qui se vide, qui est laissée par le père, mère, fils, partenaire, enfant, qui ont donné leur vie dans le nom de la liberté. Pour tous ceux qui ont quelqu'un de proche, qui ont eu quelqu'un qui ont servi dans la guerre, ils ont perdu leur vie, on vous voit, on est ici en tant que nation. Madame la Présidente, de la part de tous les membres qui sont en train de regarder cette session, j'aimerais dire que je les adore. Je t'aime, papa, et j'aime Italero, ma papa, je t'aime, maman, et on ne peut pas oublier. Merci, Madame la Présidente. Déclaration de député. Déclaration de député. Réponse aux questions écrites. Réponse aux questions écrites. Présentation des visiteurs dans la tribune, député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Alors, il y a plusieurs individus ici. Alors, premier, j'aimerais reconnaître Bob Daller, qui est un nouveau élu. Alors, bienvenue à cette chambre. J'ai aussi un groupe, je pense que VIDEA. Et dans ce groupe, nous avons Kate Harchak, Talisa Tate, Diane Anowak, Dunford, Kath, Ruth Duckway. Et Madame Joshua et Twyla Tejnale, je ne suis pas certaine si je suis en train de prononcer vos noms correctement. Je présente mes excuses, mais comme mon nom est non pourvu, je comprends votre douleur. Alors, bienvenue à notre chambre. La présentation des visiteurs dans la tribune, député de Tabacha. Madame la Présidente, j'aimerais reconnaître les commettants de Tabacha, Sheila Shaw, qui est ici à Hillna, pour accepter un prix qu'elle va recevoir ce soir. Je vais prendre l'opportunité pour en parler pendant les remerciements. Merci. Présentation des visiteurs dans la tribune, député de Nanapout. Merci, Madame la Présidente. Aujourd'hui, j'aimerais souhaiter la bienvenue au PDG de Arctic Research Foundation, M. Adrian Postanowski, et j'ai aussi ma CA Vince Sally. Merci et bienvenue à cette chambre. Présentation des visiteurs de la tribune, député de Tunnel World Day. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais souhaiter la bienvenue à tout ce qui se trouve dans la tribune. J'aimerais aussi reconnaître nos traducteurs qui sont en ligne. Mais j'aimerais vous remercier à tous et toutes. J'aimerais reconnaître Dennis, Tom Hanga, Mary Rose Songberg, Lina Dragis. Elle était au début de la session. J'aimerais aussi reconnaître son travail, Joanna. J'aimerais alors, vous remercier au travail des traducteurs. Merci. Merci. Reconnaissant la présentation des visiteurs à la tribune, député de Yellowknife Nord. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais reconnaître deux de nos pages ici, Co-Labory et Ken. Merci. Merci. J'aimerais souhaiter la bienvenue. Est-ce qu'on a, si on a oublié quelqu'un, j'espère que vous vous sentez accueillis. C'est toujours un plaisir de pouvoir avoir un public. Merci. Représentation des visiteurs de la tribune. Remerciements. Député de Tabacha. Madame la Présidente, j'aimerais remercier Sheila Shark, une commettante
de ma compétence. Elle a reçu le prix de l'Ordre de Saint-Jean et Sheila a été reconnue pour son travail, pour son héroïsme lorsqu'elle a sauvé la vie de 3 personnes au long de l'autoroute de Fort Smith. L'Ordre de Mission de Saint-Jean est pouvoir aider le bien-être de tous et toutes. Alors, félicitations, Sheila. Merci. Remerciement. Question orale, député de Hayward-Sud. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, est-ce que la ministre responsable de Macao peut confirmer si son ministère vise à financer la proposition de Fiddle Drum Drum au sein de sa communauté au mois de janvier au sein de Fort Simpson? Ministre de Macao, merci. Alors, je vais embarrasser le député ici. J'aimerais le remercier pour sa plaidoirie pour les jeunes, surtout lorsque pour exprimer son le soutien pour les activités de loisirs. Il était bon de me faire passer le message, que ce soit avec sa circonscription ou les autres. Je me remercie pour ce travail. Qu'est-ce que je peux faire? Je pourrais confirmer que le ministère est en train de travailler en concert avec Local Fiddles Association pour leur soutenir leur festival de violon. Alors, on est entré dans un accord d'un an pour pouvoir soutenir cette organisation. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Député de Hayward-Sud. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je pense que c'est un petit peu personnel. Est-ce que la ministre pourrait nous indiquer son niveau de compétence du violon? Merci. Réponse. J'aimerais remercier le député pour cela. Je suis super bonne avec la manette, avec l'extérieur. De cette manière, je peux jouer le violon de cette manière. Je peux trouver sur YouTube. J'ai commencé assez très jeune à jouer à cet instrument et on m'a dit d'aller jouer au sport. Alors, j'aime bien cela, j'aime beaucoup l'instrument. Ouais, mais c'est tout. Merci beaucoup, Madame la Présidente. Merci. Député de Hayward-Sud. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, est-ce que le ministre pourrait confirmer que ce ministère est au courant de tout le travail excellent que la Court Fiddle Association offre aux jeunes dans le territoire? Ça comprend des leçons pour tous les jeunes, de prendre les joueurs plus compétents et les plus jeunes et d'offrir des instruments à ceux qui ne peuvent pas se permettre d'offrir des ateliers sur le territoire et d'offrir les étudiants une opportunité de participer à des événements de musique, entre autres. Merci, député. Ministre Macao. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, alors je peux dire à faire fierté que j'ai fait partie de la première organisation de Cococ Fiddle. Alors, un des fondateurs s'est mis en contact avec nous. Alors, il dit que j'ai une super belle idée. J'aimerais que reconnaître Cole Crook pour ce super bon travail. C'est ça qu'on vise à faire. Alors, le député a expliqué qu'est-ce que cette association fait. Mais je pense que l'élément le plus important à retenir, c'est vraiment l'amour qu'ils ont été capables d'offrir à nos jeunes. Ça fait toute une incidence sur plusieurs jeunes sur le territoire. Alors, je peux dire que le ministère est au courant du travail que cette organisation est en train de faire et on est très content de travailler avec eux en concert d'ici de l'avant. Merci, Madame la Présidente. Dernière question complémentaire, député de Hayward-Sud. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la Cold Crow Fiddle Association va non seulement enseigner les jeunes, mais aussi toute personne qui aimerait apprendre le violon d'autres instruments. Il est important que ce gouvernement soutienne les sports et les arts. Donc, est-ce que le ministre pourrait considérer une proposition pour un accord de financement de 3 ans qui offrait la pérennité à leur travail? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Encore, Madame la Présidente, ça revient à la première question. Lorsque le député m'a contacté, on va regarder leur proposition d'un an. Un des éléments que nous avons discuté, on a besoin d'élargir. On peut l'élargir jusqu'à 3 ans. Alors oui, je peux m'engager à
un accord de financement de 3 ans en plus de l'accord d'un an. Alors, l'association a soumis une proposition. On est en train d'échanger pour mettre en place ce plan de 3 ans. Alors, je peux confirmer qu'on est en train de travailler avec ce plan de 3 ans. Et j'aimerais me remercier au député pour son travail de défenseur. Merci beaucoup. Merci, Monsieur le ministre. Député de Montfoy. Merci, Madame la Présidente. Le 25 octobre 2022, la ministre a amené la sous-ministre au sein de la Chambre pour discuter des projets hydroélectriques comme ceux de Gamatti. Ils ont dit qu'ils allaient travailler avec le gouvernement Clichot sur les études techniques lors de la prochaine année fiscale. Est-ce que la ministre va pouvoir nous dire quel sera le coût pour pouvoir connecter les résidents de l'autoroute numéro 3 au nouveau circuit électrique? Ministre de l'Infrastructure. Merci, Madame la Présidente. La députée a raison. Nous avons eu une discussion avec le gouvernement Clichot pour pouvoir faire avancer le projet. Nous voulons faire la phase dont nous avons besoin, c'est les consultations, l'architecture, les études et aussi un budget d'estimer les investissements. Donc, nous devons nous assurer que les estimés sont exacts. Ainsi, lorsque nous irons devant le gouvernement fédéral, nous pourrons avoir quelque chose qui soit vraiment à jour. Donc oui, je vais continuer à travailler avec le gouvernement pour faire avancer le projet. Merci. Député de Montfoy. Le 31 octobre, j'ai posé une question au ministre des Finances quant aux bornes électriques pour les véhicules électriques. Qui pourra se servir de ces bornes électriques? Est-ce que le gouvernement s'inquiète beaucoup plus à savoir qui pourra recharger ses véhicules sur l'autoroute? Vous savez, les résidents ne conduisent pas de véhicules électriques parce que nous utilisons toujours du diesel, même pour chauffer nos maisons. Merci, Madame la Présidente. Je ne sais pas si j'ai entendu une question ici. Toutefois, je vais répondre au commentaire en disant que la ministre des Finances a effectivement discuté des véhicules électriques dans son budget, mais voilà, cela fait partie du cadre de notre stratégie électrique de 2023. Nous devons être capables d'atteindre les cibles du gouvernement fédéral. Ce que nous croyons que ces bornes doivent être utilisées par tous et chacun qui passe par ce corridor. Et cela fait partie de nos plans d'électrification. Merci. Député de Montfoy. La question, c'était qui peut se servir de ces bornes? Mais je vais en fait passer à ma prochaine question. La ministre a dit au mois de juin que son ministère allait terminer le corridor d'ici l'automne 2022. Est-ce que le ministère va pouvoir atteindre sa cible? Ministre de l'Infrastructure plutôt. Madame la Présidente, on avait espoir. Nous avons examiné les options. Nous tentons de connecter les Wati au système de hydro, particulièrement du côté ouest, pour pouvoir se brancher directement à notre centre hydroélectrique. Donc, je pourrai toujours revenir plus tard à la députée pour lui dire quand est-ce qu'on pourrait le faire. Monsieur de Montfoy, la ministre a dit que le ministère de l'Infrastructure collaborerait avec le gouvernement Clichot sur l'établissement de ce corridor. Est-ce que le gouvernement peut expliquer
Quels ont été les apports du gouvernement Clicho et comment celui-ci participe-t-il? Madame la Présidente, combien de temps est-ce qu'on a? Parce que nous avons eu beaucoup de discussions ici. Elle veut que j'aille en détail. Oui, je pourrais le faire, mais faut savoir, ça prendrait beaucoup de temps. J'aimerais beaucoup mieux parler des enjeux clés et des rencontres clés que nous avons avec le gouvernement Clicho pour pouvoir discuter de cela. Par exemple, le gouvernement Clicho parle d'une approche progressive quant à la planification de celui-ci. Nous avons aussi un accord sur l'infrastructure avec le gouvernement Clicho. Ainsi, nous pouvons déterminer qui travaille sur quelle partie du projet. Le gouvernement Clicho a fourni au gouvernement des territoires du Nord-Ouest quelques-unes des études pour pouvoir identifier un corridor acceptable pour faire ce projet. Donc, le gouvernement des territoires du Nord-Ouest ainsi que le gouvernement Clicho travaillent en partenariat. Et vous savez, nous tenterons d'atteindre nos objectifs, mais l'automne n'est pas encore terminé. Question orale. Député Tabacha. Madame la Présidente, oui, nous avons reçu une réponse négative. Et vous savez, actuellement, il y a une femme autochtone avec sa fille qui sont itinérants. Et dans ces moments-là, je me sens démoralisé et dégoûté envers le système. Est-ce que la ministre peut nous expliquer si son gouvernement soutient la réconciliation? Ou alors, va-t-on continuer à laisser aller des Autochtones vivre à la rue? Ministre responsable de la Sûreté du logement, Madame la Présidente, je remercie le député pour sa question. À propos de ce cas, nous avons vu des situations comme celle-ci partout dans le territoire du Nord-Ouest. Nous sommes en train de réviser nos politiques. Nous voulons que nous continuons à travailler, à avoir du personnel sur le terrain pour qu'on puisse avoir des résultats positifs. Nous avons des programmes qui sont bons pour tous les résidents du territoire du Nord-Ouest et la Société de logement travaille de façon diligente avec chacun des clients partout dans le territoire du Nord-Ouest. Nous soutenons les autorités locales. Merci, Madame la Présidente. Député de Tabacha. Madame la Présidente. Mes commettants essaient d'améliorer leur vie. Au lieu de travailler avec d'autres ministère, la société de logement lui a fermé la porte. Elle est aujourd'hui sans abri. Qu'est-ce que la société de logement va faire? Ministre responsable de la société de logement, merci Madame la Présidente. Je voudrais corriger cela. Nous ne sommes pas, la société de logement n'est pas là pour dire non à tout bout de champ lorsque des clients vivent des situations difficiles. J'ai identifié le nombre de programmes qui est disponible à l'individu. Nous sommes là pour soutenir chacun de nos locataires partout dans le territoire du Nord-Ouest et nous travaillons de pair avec les gouvernements autochtones aussi. Merci, Madame la Présidente. Merci, député Tabacha. Madame la Présidente, puisque la ministre est aussi la ministre de l'itinérance, comment peut-elle défendre des fonctionnaires qui prennent de mauvaises décisions? Ma commettante qui a perdu sa maison à cause d'une tornade a dû ramper dans un avion parce qu'il a des enjeux de mobilité. C'est un homme qui a travaillé. Je parle ici d'un homme qui a travaillé pendant 35 ans. Qu'est-ce que le système va faire pour l'aider? Le système est là, il est perdu. Qu'est-ce que la ministre va faire? Ministre responsable de la Sûreté du logement, Madame la Présidente, je sais qu'il est inapproprié de parler
de cas spécifiques sur, dans la Chambre, mais je voudrais rappeler à la députée que la société de logement offre des services adéquats lorsqu'il y a des résidents qui souffrent dans des circonstances extraordinaires. Nous avons été là pour offrir de l'aide à tous les Ténois. Nous voulons les accommoder le plus rapidement possible. Nous avons été là pour offrir des services à chacun de ses clients. Merci, Madame la Présidente. Dernière question supplémentaire, député Tabacha. Madame la Présidente, est-ce que la ministre va admettre que son ministère a commis une erreur et va-t-elle compenser ma cliente qui a dû débourser des frais? Merci, Madame la Présidente. Ministre responsable de la Société de logement. La Société de logement examine actuellement nos politiques de changement. Nous travaillons avec les groupes autochtones. Lorsque nous offrons des services, on regarde ici tout ce que l'on peut offrir, mais actuellement, l'individu a seulement eu accès à des maisons sur le marché. Mais il est difficile d'offrir du soutien dans une situation très difficile. La société de logement a fait son travail. Et maintenant, Madame la Présidente, nous voulons construire des maisons dans chacune de ces communautés. Je voudrais confirmer maintenant que la société de logement va construire 2 nouvelles unités dans notre fonds co-investissement. Et grâce au gouvernement fédéral, nous allons construire 4 unités de plus dans la circonscription de la députée. Donc, je crois qu'on continue à faire des efforts et à travailler en ce sens. Merci, Madame la Présidente. Question orale. Député Gracely. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, avant de poser une question, on a eu une session très longue. J'ai oublié 2 hommes très forts, donc j'aimerais demander pardon. Je me suis mêlé dans les noms. Nous avons eu 3 très longues semaines. Alors, ma question maintenant est pour la question pour la société de logement. Est-ce que la ministre peut nous dire si les travaux qui devaient être faits ce bord de loi est fait? Monsieur responsable de la société de logement. Merci, Madame la Présidente. Merci aux députés pour sa question. C'est vraiment une question très, très importante. Nous devons travailler avec des gens qui souffrent. Merci, Madame la Présidente. Le travail est complété. Député Greenslade. Merci, Madame la Présidente. Je suis content de voir que le bureau de la ministre a répondu rapidement. Est-ce que la ministre peut nous dire, nous savons que nous aurons beaucoup plus de neige cette année, cela a été prévu et il semble qu'on a de plus en plus de météo un peu extrême. Est-ce que la ministre peut nous dire comment cela va aller pour l'avant? Je comprends ici que c'est le propriétaire de la propriété qui doit améliorer l'accès suite à la neige et à la glace. Mais il y a tout de même une obligation de la part de la Société de logement de faire cela. Est-ce que le ministre peut nous dire comment elle va s'assurer que la neige soit retirée? Merci, monsieur responsable. Merci, Madame la Présidente. Bon, je vais mettre mon chapeau pour sa sécurité. Je vais voir avec le ministère pour nous assurer que nous puissions offrir un accès sécuritaire et adéquat. Merci, Madame la Présidente. Député Gridsley. Merci, Madame la Présidente. Est-ce que le ministre peut nous dire aussi qu'est-ce qui se passe avec la maison de sans-abri à Nunavik et si le sous-contractant fait les travaux à temps? Merci. Merci.
Merci, Oral. Député de Yellowknife Nord. Merci, Madame la Présidente. Alors, à travers les ministres de Macao, on demande à toutes les municipalités d'avoir un plan de gestion d'actifs. Ça énumère tous les biens de chaque infrastructure qu'ils détiennent et par la suite les coûts de durée de vie de remplacement. Cela doit être public parce que on ne permet pas les municipalités de faire les choses à huis clos. Mais je pense pas que le gouvernement territoire Nord-Ouest n'a pas ce genre de système. Je pense qu'on a une évaluation de besoin de 20 ans qui décrit les biens qu'on détenne et que les prévisions de remplacement des actifs. J'ai pas vu cela. Alors, c'est la question que j'ai pour la ministre. J'aimerais savoir si elle serait prête à publier ce document. Mais merci, Madame la ministre. Alors, Madame la Présidente, je crois que ces questions ont été soulevées dans le comité plénier. Et le comité a été assuré qu'un processus de gestion d'actifs est équitable et on fait un suivi de tous les biens et de toute leur immobilisation, leurs besoins, entre autres, surtout en vue du ministère des Infrastructures. Donc, concernant la question si on va publier l'évaluation des biens de 20 ans, tel que mentionné plus tôt en session, c'est vraiment un aperçu d'un moment spécifique, c'est pas un document détaillé. Alors, on offre un petit peu plus de, on fait un petit peu de faire justement une analyse de notre juridiction. La plupart des autres juridictions offrent un document de plus haut niveau. Au niveau, par exemple, l'Alberta, mais il n'y a pas de chiffres. Alors, c'est juste redonner un aperçu du plan des immobilisations. Alors, cette manière, on est capable de voir comment on développe les priorités en vue des dépenses en immobilisation. Merci, député de Yellowknife Nord. Alors, je vais devoir demander au ministre de l'Infrastructure s'ils ont un plan de gestion d'actifs et ils vont le rendre public. Alors, de ma compréhension, on a une évaluation de besoin de 5 ans. Alors, c'est moins d'un aperçu d'un moment spécifique. Alors, il y a un petit peu plus de pensée financière a été dédiée à cela. Alors, si vous faites cette évaluation, ce serait quelque chose qui pourrait financer. Est-ce que c'est un document qui pourrait être partagé? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, les députés de cette chambre reçoivent le plan de 5 ans. Un gouvernement de consensus, c'est pas nécessairement la même chose. Et c'est qu'est-ce qu'on voit dans d'autres gouvernements, mais on a l'opportunité de faire les choses un petit peu de manière différente. Alors, les députés peuvent recevoir cela. Le public ne reçoit pas le plan de 5 ans et la raison concernant l'équité du processus de passation de marché, si ces chiffres sont divulgués, il y a une préoccupation concernant les marchés, la manière que les marchés sont passés. Alors, on essaie d'offrir plus de renseignements. Il y avait un graphique qui a été inclus dans le plan d'immobilisation. Alors, on est en train de rendre les renseignements plus faciles à naviguer par les utilisateurs. Question complémentaire, député de Yellowknife. Merci, Madame la Présidente. Alors, d'autres documents que j'aimerais voir, je ne suis pas certaine qu'ils existent. Je sais qu'on a une évaluation de besoins pour 5 ans, démontrant qu'est-ce que nous avons besoin, mais je ne sais pas si on a un plan d'immobilisation pluriannuel. Alors, je sais qu'on va dépenser 1,4 milliard de dollars dans les années à venir, mais il n'y a rien qui démontre qu'est-ce que nous avons dépensé à date, la liste des projets, si les choses sont en train de respecter les chantiers, si les projets sont complétés, si quelque chose est complété, on ne sait jamais, on ne voit jamais les coûts finaux. Alors, je crois qu'un document de planification serait utile. Est-ce que la ministre, ça pourrait s'engager à créer un plan pluriannuel? Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais partager un point du ministère de l'Infrastructure. Alors, le ministère de l'Infrastructure est responsable pour les projets d'immobilisation qui sont déployés.
Et justement, le ministère est en train de développer un tableau de bord qui va être public, puis va offrir justement les renseignements que le député a demandé pour. Alors, je peux certainement l'offrir une mise à jour concernant le déploiement de ce tableau de bord. Merci, Madame la ministre. Dernière question complémentaire, députée de Yellowknife Nord. Merci, Madame la Présidente. Alors, je serais intéressée de savoir si le ministère de l'Infrastructure va comprendre les projets qui ne tombe pas sous son mandat. Alors, par exemple, les établissements de soins de longue durée, entre autres. Et pour terminer, dans notre plan de mobilisation, on a une description d'une ligne de projet. Par la suite, les députés demandent qu'est-ce qui se passe avec cette, justement, avec la clôture de ce jeu de peur, puis on demande ces questions assez longues. Mais je sais que les ministères ont des descriptions qui sont de plus d'une phrase. Alors, je me demande si ces descriptions pourraient être publiées dans les documents à l'avenir. Merci, Madame la ministre. Merci, Madame la présidente. Alors, le processus inusuel d'un gouvernement consensuel. Les députés de l'autre côté de la Chambre reçoivent des feuilles qui offrent des renseignements concernant les projets à venir et ça comprend justement les détails budgétaires que la plupart des gouvernements ne considèrent pas comme des bonnes pratiques de passation de marché. C'est la raison pour laquelle ce ne sont pas divulgués. Mais une des objectifs du tableau de bord, c'est justement d'offrir cet aperçu où le projet se trouve et où l'argent a été dépensé, alors on espère pouvoir offrir ça au public. Alors, cette manière, d'ici un an, on ne va pas avoir besoin d'avoir cette discussion. Merci. Question orale. Député de Kamloops. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, ma question pour le ministre de la livraison des services intégrés, le ministère de la Justice. Alors, on a intégré le gouvernement. J'ai engagé d'offrir un CD, une livraison de services et elle est intégrée. Alors, c'est en train de faire ce virage de système de tout le gouvernement et toujours dans la cible à court et long terme du gouvernement. Merci. Réponse, ministre de la Justice. Merci, Madame la Présidente. Oui, c'est le cas. J'aurais bien plus de progrès sur ce dossier pendant la vie de ce gouvernement, mais on a eu un mandat assez ambitieux. On a traité la COVID. On n'a pas pu dédier sur ce mandat, mais c'est une priorité pour nous. Merci. Merci, Monsieur le ministre. Député de Kamloops. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je suis complètement d'accord avec le ministre que ça devrait être et que ça a besoin d'être une priorité. Et non seulement ça va mieux desservir les Tainois et Tainoises, mais ça va aussi épargner une quantité importante d'argent pour le gouvernement. Plus tôt, cette année, le ministre a passé des lois à l'accès à l'information pour pouvoir assurer cette livraison ministériel. Alors, je me demandais qu'est-ce qui se passait à ce front. Merci, Madame la Présidente. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, récemment, il y avait un rapport qui a été publié qui examinait nos tentatives d'intégrer les services, les différents obstacles qui ont été identifiés. Ce document identifie les enjeux liés à la confidentialité. Alors, différentes pas qui ont été entamées. Les ministères sont en train de s'attaquer à ces questions. Alors, ce travail est en cours présentement. Merci. La députée de Kamloops. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, la recommandation numéro 9 du rapport de l'examen de l'audit de 2021 pour les services de prévention et de traitement contre la toxicomanie. Alors, il avait recommandé que le ministère et la Régie de santé et services sociaux mettent en place un programme pour pouvoir identifier des pratiques et des politiques de manière continue en matière de la sensibilité, que s'ils sont culturellement sûrs, est-ce que le ministère pourrait s'engager à s'assurer que cela est vrai pour tout le personnel de première ligne? Merci, Madame la Présidente. Ah, j'aimerais bien m'engager à cela. J'ai mentionné ça à plusieurs reprises au cours des dernières années, mais c'est quelque chose qui est en cours. Si je comprends toutes les gouvernements, c'est un projet d'envergure. Il y a plusieurs ministères et tout le monde a besoin d'être
sur la même page, tout le monde doit être en train de respecter les mêmes échéanciers, tout le monde doit être disponible pour les mêmes rencontres. Alors, on est limité, mais oui, on est en train d'entamer les pas dans la bonne direction. Merci. Dernière question, commentaire. Madame la Présidente, je dois admettre que je trouve ça fort frustrant. C'est quelque chose que nous, en député, on discutait des deux côtés de cette chambre pendant la durée de cette assemblée, mais ça n'est pas quelque chose qui est vraiment qu'on peut faire avancer. C'est fort frustrant du fait que nos commettants dépendent de cela. Ils dépendent de plusieurs services pour pouvoir répondre aux besoins de base, de subsistance. Alors, en mars de cette année, Madame la Présidente, le ministère a indiqué de l'assistance de revenir pouvoir offrir une livraison des services intégrés qui devrait se mettre d'accord sur les pratiques et les normes et les principes. Est-ce que le ministre pourrait confirmer que si cela a été fait et si c'est quelque chose qui va être visible pour les Ténois et Ténoises? Réponse. Merci, Madame la Présidente. Je vais devoir revenir avec une réponse pour la députée. Lorsqu'on est en train d'effectuer différents examens, par exemple au ministre de CE, on est en train de prendre les nécessaires initiatives pour pouvoir ajuster les programmes pour pouvoir travailler vers cela, que vous soyez un représentant du ministère de CE ou autre. On est en train de simplifier les processus pour que les ministères puissent travailler en parallèle. Mais pour une réponse spécifique, je vais devoir la revenir avec cela. Merci. Question orale. Député de Montfait, j'ai une question pour la ministre de la Société du Logement. Le gouvernement fédéral est en train d'offrir un financement directement au gouvernement autochtone. C'est critique que le gouvernement développe des liens avec ces gouvernements pour assurer la livraison de logements. Quel type de soutien est offert par le gouvernement? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier la députée pour cette question. Le développement de ces relations avec les gouvernements autochtones, c'est un élément clé. Moi aussi, je viens d'une petite collectivité d'un territoire colonisé et je crois que ces partenariats jouent un rôle important. C'est la raison pour laquelle on est capable de s'attaquer à la question du logement. Dans la circonscription de la députée, nous avons un groupe de travail établi avec le gouvernement autochtone. Nous avons aussi un plan logement actif au sein de sa circonscription et avec Wati qui va être le premier plan de logement qui va être accompli, ça identifie les besoins qui viennent directement de la communauté. J'aimerais voir qu'un document de lobbying pour le gouvernement fédéral et avec la réussite de la députée, cela veut dire que son gouvernement autochtone va pouvoir recevoir ce financement basé sur les élections et je vais continuer à bâtir ces liens avec les gouvernements autochtones ici sur le territoire du Nord-Ouest. Merci, Madame la ministre. Question complémentaire, députée de Montfuy. Quel type de développement de capacités sont en train d'être développés. Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, je voulais présenter mes excuses à nos interprètes. Alors, je suis assez passionnée concernant les portefeuilles et certainement, je suis en train de parler trop rapidement. Mais concernant avec le renouvellement, est en train de l'examen de politique dans le territoire, présentement, est en train de 42 qui ont été envoyés au conseil le conseil des leaders. C'est un travail un groupe de travail. Alors, c'est de cette manière, les gouvernements autochtones peuvent nous remettre en question la manière qu'on fait affaire ici sur les territoires, que ça fonctionne ou pas. Alors, la relation étroite que nous avons avec le gouvernement Clécho, il y a des visites que nous avons menées au sein de la circonscription pour pouvoir se pencher sur des enjeux importants à l'échelle communautaire. Merci, Madame la ministre. Question complémentaire. Député de Montfuy. Plusieurs gouvernements
autochtones veulent pouvoir gérer leur propre propriété. Ils veulent pouvoir utiliser les subventions fédérales territoriales pour pouvoir offrir un logement abordable. Est-ce que la ministre pourrait s'engager d'offrir ces subventions pour pouvoir atteindre cette fin? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais commenter sur le financement basé sur la distinction que sa circonscription a reçu. C'était, je pense que ça a été lancé 42 millions de dollars, je pense, pendant une période de 7 ans consécutifs. Alors, ils sont en train de mettre à l'avant différents projets concernant la manière qu'ils aimeraient se pencher sur les différents besoins. Alors, lorsqu'on regarde la manière de pouvoir subventionner les logements dans sa circonscription, nous avons déjà des unités de logement public au sein de ces communautés qui sont subventionnées de manière considérable. Alors, on est en train de faire un lobbying auprès du gouvernement fédéral pour l'entretien des unités, mais on continue de travailler de manière stratégique avec le gouvernement. Quelque chose, c'est un partenariat. Et on a signé une mémoire d'entente. Alors, je crois que je suis fort fière de ce progrès lorsqu'on est en train de s'attaquer sur ces différentes questions et préoccupations. Merci beaucoup. Dernière question complémentaire. Alors, j'allais dire quelque chose d'autre, mais je vais la parler par la suite. Mais je pense pas que. Est-ce que la société de logement pourrait s'engager à demander au gouvernement fédéral pour du financement supplémentaire pour pouvoir subventionner les propriétés de location? Désolée pour cela. Merci, Madame la députée. Réponse. La circonscription, c'est une aire d'autogouvernance, c'est de autogouvernement, et je ne fais pas partie des discussions qui sont entamées avec le gouvernement fédéral. Et lorsque je regarde la location fédérale qu'ils avaient reçue pour le financement en matière d'infrastructure, je crois qu'on peut se rencontrer, on peut travailler ensemble. Mais la réalité, c'est que c'est vraiment un territoire qui est visé par les revendications territoriales. Alors, merci, Madame la ministre. Question orale. Merci, Madame la Présidente. Ma question est pour la ministre de l'Infrastructure. Désolé, le ministre Maca. Madame la Présidente, ce gouvernement doit donner plus de leviers pour les jeunes. Nous devons être capables de les guider pour qu'ils puissent accomplir leurs désirs. Est-ce que le ministre va augmenter les fonds dans tous les sports et les enjeux récréatifs pour les jeunes? Merci. Ministre responsable de l'infrastructure. Nous voulons toujours accentuer les opportunités pour que les jeunes puissent faire du sport. Moi, par exemple, quand j'avais 12 ans, ma mère m'a poussé à faire du bénévolat. Et j'ai toujours aimé faire du bénévolat dans le monde du sport. Certains des programmes qui existaient auparavant existent toujours aujourd'hui. Le ministère continue à travailler avec les organisations pour pouvoir développer des programmes qui soient adaptés culturellement, pour qu'ils soient positifs. Je vais continuer à travailler avec le ministère ainsi que la communauté pour pouvoir offrir des fonds pour l'avenir. Il y a beaucoup de choses qui n'ont pas été faites depuis un bon moment. Nous devons voir comment nous pouvons collaborer ensemble. Nous devons aussi parler des défis qui nous attendent. Et j'en ai parlé ici au sein de cette Chambre. Merci. Dernière question, député de Hay River South. Merci, Madame la Présidente. Le programme pour la résilience des jeunes est un programme qui ne reçoit pas assez de fonds.
Est-ce que le ministre s'engage à augmenter la subvention à un niveau soutenable? Merci, Madame la Présidente. Le programme continue à soutenir les jeunes de 0 à 5 ans. Pour que les jeunes puissent... je vais continuer à travailler avec le ministère ainsi que les communautés pour pouvoir m'assurer qu'il y ait plus de fonds qui soient envoyés. Les bénéfices sont là, sont pour les jeunes, ils commencent tôt. Je vais travailler avec aussi les comités pour revoir ces programmes. Merci. Question supplémentaire, député de Hay River South. Merci, Madame la Présidente. On a parlé des organismes à but non lucratif. Madame la Présidente, nous avons besoin. Ces gens viennent chaque année après année. Les organismes ont besoin de fonds stables à toutes les années. Est-ce que le gouvernement s'engage à offrir des fonds prévisibles année après année pour ces organismes? Ministre de l'Infrastructure. J'espère que je pourrai toujours continuer à dire oui, mais je continue à dire oui tout le temps, Madame la Présidente. Je comprends que les organismes à but non lucratif veulent continuer à recevoir des fonds et je reconnais que nous devons reconnaître les plans à long terme pour offrir de la sécurité. Le fonds, toutefois, n'offre pas de fonds central. Les contributions sont seulement pour la stabilisation ou pour des plans à long terme. Auparavant, le ministère a travaillé sur cela et en tant que cabinet, nous examinons les possibilités avec un fonds stabilisateur à court terme. Nous devons, en tant que gouvernement, travailler sur tous les aspects de cet enjeu. Merci. Dernière question de supplémentaire, député de Hay River South. Merci, Madame la Présidente. Je suis content d'entendre cela parce que dans les dernières semaines, nous avons parlé de tout ce que nous devons faire pour les jeunes. Il est maintenant temps pour nous de faire ce qu'on a à faire, d'offrir les services dont ils ont besoin. Le prochain enjeu, j'ai parlé ici aux jeunes et aux parents de Hay River à propos de l'accès. Et il y a des jeunes qui sont à risque dans la façon dont ils sont servis. Est-ce que la ministre va travailler avec d'autres ministères ainsi que des communautés pour pouvoir identifier les besoins des jeunes au sein des communautés et ainsi trouver des moyens d'établir de nouveaux leviers? Merci. Merci, Madame la Présidente. Le ministère offre des fonds sous l'initiative des jeunes. Nous continuons à contribuer environ 14 000 $ pour qu'ils puissent soutenir leurs opérations. Le ministère va offrir un moyen de soutenir les communautés des jeunes. Voilà une stratégie sur laquelle nous travaillons. Toutefois, s'il y a une communauté qui nous devons être capables de soutenir le gouvernement pour établir et pour faire aussi des programmes pour les jeunes. Merci. Question orale. Député de Tunaday-Willaday. Merci, Madame la Présidente. Je crois que la raison pour laquelle les gens au système des communautés ne reconnaissent pas notre système, c'est qu'ils ne se sentent pas reconnus par ce système. Comment allons
comment allons-nous nous assurer que les priorités du gouvernement soient aussi les priorités des résidents? J'ai dit auparavant, j'ai expliqué pourquoi je suis ici. Les priorités des politiciens peuvent influencer les décisions que nous prenons. Comment pouvons-nous subvenir aux besoins de nos résidents? Ma question pour la première ministre est la suivante. Que pouvons-nous faire pour travailler ensemble pour m'assurer que mes valises puissent être mises dans le train, même si celui-ci semble avoir déjà quitté la gare? Merci, Madame la Présidente. La question est difficile lorsque le député pose la question, comment est-ce qu'on pourrait mettre ses valises dans le train, même s'il est déjà parti? Ben, il va falloir attendre que le train revienne. Mais blague à part, je vous dirais que nous devons être capables de reconnaître le travail de ce gouvernement. Nous devons être capables de voir comment nous pouvons travailler les gouvernements autochtones. Nous avons une rencontre d'évolution et nous avons travaillé avec le Conseil des leaders pour que tout le monde puisse avoir une voix. Nous travaillons sur des enjeux sérieux comme les changements climatiques. Il y a 42 politiques qui ont été apportées de l'avant. Voilà ici leur but premier au Conseil des leaders. Voilà ce qu'ils travaillaient dès le départ. Nous avons aussi un traité. Bon, je crois que la meilleure chose que l'on peut faire pour s'assurer que toutes les priorités soient discutées, c'est que nous devons continuer à nous rencontrer, nous devons nous asseoir. C'est seulement lorsqu'on écoute chacun d'entre nous, qu'on est capable de faire des compromis, qu'on est capable d'emmener un meilleur résultat pour tous les résidents des territoires du Nord-Ouest. Merci. Merci. Député de Tunadé-Waladé. Merci, Madame la Présidente. La Première ministre a fait un commentaire à propos du Conseil des leaders, mais il n'y a pas longtemps, on parlait des façons dont les réclamations sont faites. Ma question est la suivante. Comment pouvons-nous accroître de nouvelles relations pour nous assurer que nous sommes tous sur la même page? Merci. Merci, honorable Première ministre. Merci, Madame la Présidente. Voilà l'un des enjeux qu'on a amené au Conseil des leaders, parce que ce n'est pas seulement les réclamations territoriales, mais nous devons travailler avec tout les gouvernements. J'ai dit que je rencontre les différents gouvernements des territoires du Nord-Ouest une fois par année, plusieurs fois par année, mais la clé, c'est de pouvoir s'asseoir à la table, ensemble, pour pouvoir parler des enjeux ensemble. Et voilà ce que nous essayons de faire avec ce gouvernement. Merci, Madame la Présidente. Merci. Député de Tunadé-Waladé. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, nous avons un an pour pouvoir faire des changements, faire des changements pour notre peuple. Madame la Présidente, vous savez, oui, on peut dire qu'il reste seulement un an, mais comment pouvons-nous corriger ce que nous devons faire? Moi, par exemple, je dois expliquer les politiques du gouvernement. Il va falloir faire beaucoup mieux que nous faisons actuellement en tant que gouvernement. Il nous reste seulement une année. Et sinon, si on ne le fait pas, mais pourquoi est-ce que je suis ici? Tout ce que je dis, c'est que si on ne peut l'arranger, alors ça veut dire que le consensus de gouvernement je sais qu'il faut vraiment travailler ensemble, mais il semble que le consensus gouvernemental ne fonctionne pas. Donc, je me demande qu'est-ce que la première ministre va faire pour pouvoir améliorer cette relation avec la première ministre. Merci, Madame la Présidente. Je suis d'accord. Je suis d'accord. Nous devons vraiment travailler ensemble pour pouvoir parler de ces enjeux. Nous tentons de faire cela. Il y a des temps où nous ne serons pas d'accord, mais ce n'est pas seulement l'histoire d'une journée, d'une personne qui peut faire de ce qu'elle veut. Nous devons travailler sur les relations. Et ça ne peut être une seule personne. Ça ne peut être la première ministre seule. Chacun des députés doit travailler sur cette relation. J'ai déjà dit auparavant, si on avait des milliards et des milliards de dollars, je pourrais donner des milliers et des milliers de dollars à tout le monde, mais on ne l'a pas.
Donc, on doit, tous et chacun, de façon très consciente, de voir comment on peut travailler ensemble, d'écouter chacun d'entre nous. Le Wise Chief m'a dit que ce n'est pas aussi de s'écouter, mais c'est de s'entendre. Et c'est voilà ce que nous devons faire. Donc, je vais tenter de faire ma partie, Mme la Présidente, mais je ne peux le faire tout seul. Merci. Merci. Dernière question supplémentaire, tous les démons de la date. Merci, Mme la Présidente. J'entends cela. Il nous reste seulement un an. Il faut être capable de faire ce qu'on a promis qu'on allait faire. Il y a deux réclamations territoriales actuellement qui devraient être prioritaires. J'ai aussi un commettant qui n'a pas, vous savez, qui n'a pas pu être servi. Vous savez, le système est brisé. Il ne fonctionne pas pour les gens qui viennent de ma circonscription. Oui, je suis heureux de voir qu'on peut travailler ensemble, mais les politiques, il y a des politiques que ce gouvernement doit changer. Parce que les députés ici, nous sommes élus par le peuple. Pourquoi ne pouvons-nous pas prendre des décisions? Pourquoi, si on ne peut pas faire cela, pourquoi est-ce que je suis ici? Les changements doivent avoir lieu. Donc, ma question est la suivante. Que pouvons-nous faire pour améliorer cette relation? Merci. Merci aux députés, aux honorables premiers ministres. Merci, Madame la Présidente. Oui, nous savons qu'il n'y a pas de système gouvernemental qui est parfait. Je ne connais pas encore un seul gouvernement qui peut clamer qu'il est tout à fait parfait. Vous savez, moi, j'ai 62 ans, Madame la Présidente. Et quand j'avais 50 ans, je suis venu ici et je me suis dit, je dois continuer à apprendre. Nous devons continuer à apprendre, nous devons continuer à grandir. Les ministères aussi doivent le faire. C'est pour ça qu'on a fait une promesse au Conseil des leaders que toutes les politiques seront examinées. Et voilà pourquoi le ministère de la Santé et Services Sociaux fait une révision actuellement des services médicaux qui sont fournis. Donc, ce n'est pas que nous ne tentons pas de nous soutenir à tous et chacun, c'est que nous sommes limités. Et ce n'est pas seulement les politiques, mais c'est aussi du côté financier. Nous devons, vous savez, Madame la Présidente, la raison pour laquelle le député est ici, c'est aussi, je le souhaite, c'est qu'il a un grand rôle au sein de l'Assemblée législative. Si on n'a pas des représentants de chacune des circonscriptions, alors on n'écoute pas la voix des gens. Je sais qu'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut, mais il est critique que chacun des individus puisse avoir une voix. Et ça veut dire que les députés doivent être ici pour être capables de porter ces voix. Aussi difficile et aussi difficile que ça puisse être, Madame la Présidente, nous sommes ici pour une bonne raison. Question orale. Député de Nanakpout. Merci, Madame la Présidente. Vous savez, j'ai parlé de l'importance du Buffalo Delta, Nanakpout. Donc, Madame la Présidente, est-ce que le ministre peut me dire quel est l'état du sport? Merci, Madame la Présidente. Ministre de l'Infrastructure, juste pour vous assurer. Ouais, c'est à mon tour. J'ai eu des discussions. Nous devons offrir des occasions pour les jeunes. Il y avait une organisation qui s'appelait l'Association de la récréation du Delta. Ils étaient capables d'amener tous les intervenants de partout dans la communauté pour avoir des discussions, pour organiser des événements régionaux. Ils travaillaient avec des écoles, que ce soit à l'été, en hiver. Cette organisation n'existe plus, dommage, mais les fonds existent toujours. Ils peuvent toujours recevoir des fonds de la part des communautés. Mais je suis toujours prêt à parler aux députés. Merci. Par
Madame, quel est le processus qu'on pourrait mettre en place pour aider les organisations à se remettre au pied? Parce que je pense que les étudiants qui se trouvent dans les communautés avoisinantes n'ont pas le privilège de pouvoir faire du sport, surtout lorsqu'on a du talent. Alors, quel est le processus? Est-ce que la ministre elle est prête à venir faire une visite et faire une visite avec notre leadership et de partager les bonnes nouvelles qu'il y a du financement disponible? Merci, député. Réponse. Non. Alors, le processus est mené par la communauté. La communauté doit se mettre en contact avec le ministère de Macar. Alors, on va commencer à travailler avec eux. Le personnel est disponible. Moi, je peux vous dire de ma propre expérience que en 1994, lorsque j'ai devenu l'agent de développement de loisirs, j'ai commencé à travailler sur l'association de Kendraka. Et c'est une organisation solide et aussi l'association de BTSAR. Ça s'adressait les différents enjeux qui ont été mentionnés par le député. Ça a vraiment offert de pouvoir offrir la formation des événements interrégionaux. Alors, c'est ça qu'est-ce que je vais faire. Je vais m'assurer que le personnel de Nuvik et de Santou se mettent en contact avec le député et les communautés. Ils commencent à travailler sur ce processus. Concernant cette visite, je serais plus que ravie de travailler avec ce député. On va trouver un moment. Je sais que nos horaires sont assez chargés, mais on va voir qu'est-ce qu'on peut faire. Merci. Député de Nanapote. J'étais 21 ans, diplômée, je viens juste de développer de l'école secondaire, j'avais 17 ans, j'étais toujours jeune à l'époque, je pensais que j'avais déjà 1 ou 2 ans avant. Alors, Madame la Présidente, je me rends compte que le député avait demandé pour le financement supplémentaire et merci beaucoup qu'il est en train de se pencher sur ce dossier. Est-ce que le ministre pourrait nous offrir une liste de programmes et combien a été dédié du budget envers cette initiative? Merci, ministre Maca. Merci, Madame la Présidente. Alors, je vais faire venir le député. Je connais Jack et Nuvik. Alors, on avait l'opportunité de le rencontrer et sa mère, c'était super cette opportunité. Et d'ici 1994, j'avais 7 enfants. Alors, c'est très actif de s'assurer que les choses se matérialisent. Concernant l'engagement, oui, absolument. Je prends cet engagement à rendre ces renseignements disponibles pour indiquer les programmes qui sont disponibles, à quel moment ils étaient développés, l'argent disponible, comme ça, ces renseignements peuvent être partagés avec le comité. Dernière question complémentaire, député de Nanapote. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier la ministre pour cela. Alors, il n'a pas accepté la visite dans ma communauté et de travailler ensemble pour les jeunes de Sax Harbor, de Nanapote et les autres communautés avoisinantes pour rassembler tous les jeunes. On faisait ces tournois interrégionaux. Puis on n'a plus ça. Et nos jeunes ont besoin de cela. Est-ce que le ministre pourrait s'engager de venir faire une visite ici dans le Nord? Merci. Réponse. Alors, j'ai 2 minutes et 5 minutes qui me restent. C'est juste une blague. Alors, oui, je m'engage. Je pensais que j'avais fait un engagement à cette deuxième question, mais oui, effectivement, je vais visiter sa communauté avec l'émissaire et je pense que le député est en train de faire un super beau travail et je serais ravie de pouvoir collaborer avec lui comme des questions orales. Député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. J'aurais pas utilisé le mot justement d'entrée. Alors, est-ce que la ministre de la Société des gens pourrait nous offrir une mise à jour concernant les abris des Nutovic si un entrepreneur a été embauché? Merci. La ministre de la Société des logements. Merci, la députée, pour cette question, parce que c'est une question fort importante dans le Fort Delta. Pour pouvoir s'attaquer à la question de l'itinérance, nous avons des enjeux avec les entrepreneurs et la livraison du programme qui est offert à la communauté. Nous avons justement
cette demande qui a été lancée, puis on n'a pas reçu de soumission. Il y avait des OBNL avec qui on travaillait, on a identifié que examiner davantage la formation nécessaire dans la région et à l'échelle territoriale. Alors, on va travailler avec les OBNL pour pouvoir s'attaquer à la question itinérance parce qu'on a besoin d'offrir une formation adéquate et de trouver des financements supplémentaires pour ces programmes. Merci, Madame la Présidente. Merci, député de Greysafe. Merci, Madame la Présidente. Alors, je comprends la problématique de d'abord, une OBNL qui mène les opérations lorsqu'il n'y a pas beaucoup d'OBNL qui aimeraient assumer ce rôle. Et à cause de cela, étant donné la nature de ce travail, embaucher des travailleurs à salaire minimum ici qui n'ont pas la formation adéquate, comme mentionné par le ministre. Est-ce que la ministre pense peut-être que le ministère mène ces projets eux-mêmes? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, ça, c'est quelque chose qu'on avait essayé de faire auparavant et d'embaucher les travailleurs de l'abri et que ce soit des employés temporaires, de travailler avec les gouvernements autochtones et d'autres parties prenantes pour identifier une solution et aussi de s'attaquer à l'urgence qui existe une vite. On est en train de travailler avec les OBNL qui potentiellement est en train de mener les programmes auparavant, mais je vais devoir le revenir avec une réponse pour le député concernant le statut actuel de Nunavut et de voir si on va garder les employés employés du GTNO. Le député de Greysafe. Merci, Madame la Présidente. Alors, c'est de ma compréhension que le gouvernement territorial du Nord-Ouest est en train d'opérer l'abri avec des employés des GTO. Alors, je me demande comment on peut se permettre cela. On sait que le GTNO est l'employeur le plus lucratif dans le Nord et on sait que lorsqu'on veut que les OBNL qu'ils l'ont fassent, on leur fasse un financement. Alors, comment on va se permettre de payer ou d'opérer ces abris avec ces employés? Est-ce qu'ils vont se virer de bord et demander pour plus d'argent? Merci. Réponse. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais remercier la députée pour cette question. C'est très important pour le Belfort Delta pour s'attaquer à la question d'itinérance et aussi les conditions de météo sévères et assurer que les abris demeurent ouverts. Alors, c'est un programme qui est financé à l'interne. Je vais devoir faire un suivi avec les députés concernant les prévisions et une des éléments que je veux faire et je veux encourager les OBNL à ce moment-là que de travailler avec eux pour envoyer une demande, mais malheureusement, cet OBNL avait déjà fermé ses portes, alors ça n'arrête pas de travailler avec la communauté et de trouver des solutions pour pouvoir s'attaquer à la question de l'itinérance à Beaufort Delta. Merci, Madame la ministre. Dernière question complémentaire, députée de Greysafe. Merci, Madame la présidente. Alors, c'est difficile pour moi de comprendre pourquoi on travaille avec des OBL qui sont sous-financés pour travailler avec nos populations les plus vulnérables. Je trouve ça inacceptable et j'espère que le ministère va continuer à opérer ces abris. Alors, ma question, lorsqu'on était à Nunavut avec le développement social, il y avait beaucoup de discussions autour du fait de la bonne nourriture pour les gens qui s'hébergeaient dans les abris. On avait venu avec la nourriture pour... Est-ce que le ministre s'est mis en contact avec la Croix-Rouge pour de pouvoir offrir des travailleurs ou de la nourriture d'une perspective de sécurité alimentaire? Merci, député. Réponse. Merci, Madame la Présidente. Alors, la Société des logements et territoires du Nord-Ouest regarde l'entretien et la livraison des programmes en matière d'itinérance. On regarde plus l'opération du bâtiment
Et non, et l'entretien. Mais peut-être c'est quelque chose que je vais ramener au ministère parce que je suis toujours à la recherche de nouvelles idées et innovatrices. Merci. Notre temps de questions orales est maintenant écoulé. Questions écrites, députés de Nanaput. Merci, Madame la Présidente. Alors, la taxe sur le carbone et le coût de la vie. Ma question pour le ministre des Finances concernant la proposition de la hausse de la taxe de carbone et l'incidence sur les petites collectivités. Dans un effort pour pouvoir atténuer ces incidences, est-ce que le ministre pourrait nous offrir une estimation de coût concernant comment les factures de carburant vont augmenter par ménage? Premier lieu, est-ce que le ministre pourrait offrir des estimations de coûts et des prévisions des hausses pour toutes les communautés du GTNO? Numéro 2, est-ce que la ministre pourrait nous offrir des renseignements comment cette taxe sur le carbone va avoir un incident sur chaque communauté entre 2023 et 2030? Numéro 3, est-ce que la ministre pourrait nous fournir décortiquer l'incidence que les coûts élevés d'électricité va avoir sur la marchandise, entre autres. La ministre a noté le 3 novembre 2022, malheureusement, que les circonstances de notre vote vont voir les incidences les plus importantes en vue de la hausse de la loi sur le carbone du gouvernement fédéral. Est-ce que cette analyse était incomprise dans cette prévision des hausses de la vie, de la hausse de la taxe sur le carbone? Question écrite. Réponse aux questions écrites. Réponse aux questions écrites. Réponse à l'allocution du commissaire. Réponse à l'allocution du commissaire. Pétition. Rapport des commissions sur l'examen des projets de loi. Rapport des comités permanents, pardon, sur les commissions. Rapport des commissions sur l'examen des projets de loi. Rapport des comités permanents et spéciaux. Rapport des comités permanents et de spéciaux. Dépôt de documents. Ministre de la Justice. Madame la Présidente, je souhaite déposer le document suivant. Il y en a trois. Le bilan avec un langage clair pour le projet de loi 68, une loi pour modifier la loi sur la garderie et le rapport du coroner de 2021. Merci. Dépôt de documents. Le ministre de MACA. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je souhaite déposer trois documents suffisants. Le langage clair pour le projet de loi 63, le projet de loi 67 et le rapport annuel du gouvernement du territoire du Nord-Ouest 2021-2022. Dépôt de documents. Le ministre de la Société du logement du territoire du Nord-Ouest. Merci, Madame la Présidente. Je souhaite déposer les documents suivants. Le rapport annuel 2021-2022 de la Société du logement et territoire du Nord-Ouest. Merci. Dépôt de documents. La ministre de la Santé et Services sociaux. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je souhaite déposer les documents suivants. Lettre de suivi à la question orale 12-19, 12-32 et 12-55-19-2, traitement de toxicomanie. Dépôt de documents. Député de Kamloops. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, alors hier, le 2 novembre, était la journée de fertilité. Alors, je souhaite poser le document suivant, une lettre de Fertility Matters. Merci. Dépôt de documents. Député de Yellowknife Nord. Je souhaite déposer le document suivant, le document épurgé du ministère de la Santé et Services sociaux. Services sociaux concernant l'accès à l'information. Merci. Dépôt de documents. Député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je souhaite le document suivant. Environment Change, inaudible pour l'interprète.
Dépôt de documents. Confirmant la section 5 de la des règlements des indemnités et la loi sur le conseil exécutif, j'aimerais déposer le document suivant concernant les absences des membres. Merci pour 2021-2022. Dépôt de documents. Dépôt de documents. Avis de motion. Avis de motion. Motion. Député. Député de Kamlik. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, pursuivant que la convention de gouvernement concernant l'établissement des priorités et aussi l'établissement de comités spéciaux concernant les questions de transition et que la transition est l'assemblée, c'est un bon moment pour pouvoir rapporter sur des actions, discussions et considérations et attendu que les membres des assemblées pourraient bâtir sur la délibération de l'Assemblée législative. Alors, je propose, appuyé par l'honorable député de Inuvik Twin Lakes, que conformément au rôle 9.2, parenthèse 8, l'Assemblée établit un comité spécial sur les questions de transition. Et de plus, que les membres soient nommés au comité, M. Kevin O'Reilly, député de Frame Lake, l'honorable R.J. Simpson, député de Hay River North, M. Rocky Simpson, député de Hay River Sud. Mme Lisa Semlin, députée de Inuvik Twin Lakes. Mme Jane Armstrong, députée de Monfrey. Et l'honorable Shane Thompson, députée de Rondé. Et de plus, que le comité spécial sur les questions de transition soit établi par les termes de référence identifiés comme le document déposé 765-19 parenthèse 2. Merci, Madame la Présidente. Merci. La motion est recevable à la motion. La question a été posée. Tous en faveur? Tous qui s'opposent? La motion est adoptée. J'aurais dû être abstention. La motion est adoptée. Député de Tabacha. Je propose, appuyé par l'honorable député de Hay River North, que cette session lève ce. Aujourd'hui, ce sera levé juste au 7 février 2023 et tout moment avant le 7 février 2023, si le président est satisfait suite à une consultation avec le conseil exécutif et les membres de l'Assemblée législative, que l'intérêt public demande que cette session ou la Chambre se rencontre pendant la levée de session au plus tard, le président peut donner avis. La Chambre devrait rencontrer et on doit faire ses affaires telles que le processus. Merci. Merci. La motion est recevable à la motion. La question a été posée. Tout ce qui est à faveur? Tout ce qui s'oppose? Abstention? La motion est adoptée. Député de Tabacha. Modification de la loi sur la commission de limitation de cancer, comme j'ai attendu que nous avons nommé commission de limitation conformément à la section 2, parenthèse 2B de la loi sur la commission de limitation de circonscription le 3 juin, et attendu que la commission de limitation de circonscription a soumis son projet, son rapport final au mois de mai 2022, et le président a déposé le rapport final sur la commission de limitation le 27 mai 2022. Et attendu que nous aurions rejeté les recommandations mises de l'avant par la commission de limitation le 18 octobre 2022, et attendu qu'il y ait un besoin de pouvoir revisiter les noms de certaines circonscriptions sur le territoire nord-ouest, je propose d'appuyer par l'honorable député de Hay River North que l'Assemblée législative recommande que les modifications sur la loi sur la commission de limitation des circonscriptions soient introduites dans la durée de cette assemblée, qui révisite une période de 18 ans pour les élections de 2023 et pour chaque assemblée, élection générale et B,
et accroître la composition des délimitations des circonscriptions du président d'autres membres et du président à d'autres membres. Merci. La motion recevable à la motion. Député de Yellowknife Nord. Merci, Madame la Présidente. J'aimerais me lever et démontrer mon soutien pour cette motion. J'ai pu cette Assemblée passer. Alors, il semble qu'on va passer à la prochaine élection avec les mêmes délimitations. On a des différences avec une population. Je pense pas que c'est une bonne chose d'attendre 8 ans pour apporter les modifications nécessaires. Je pense qu'on a ajouté plus de membres, une meilleure représentation. J'espère que cette Assemblée va pouvoir rapport et les recommandations vont adopter. Pendant que cette délimitation des circonscriptions, il y avait l'élection du premier ministre, la manière dont les membres du cabinet sont élus. Je pense que les questions d'un gouvernement de consensus, c'était l'objectif de cette Assemblée. Si vous ajoutez ou enlevez des membres, parce que ça change l'équilibre d'un côté de la Chambre. Alors, j'espère que pouvoir offrir plus de représentés plus tôt dans le processus, ils vont pouvoir regarder les délimitations, les changements de nom qui sont en train d'étudier dans cette chambre. Ils vont pouvoir s'étudier différents enjeux que ce gouvernement de consensus visait à faire et qui ont causé la frustration dans cette chambre. Merci, Madame la Présidente. À la motion. La question a été mise aux voix. Tous à faveur? Tous qui s'opposent? Abstention. La motion est adoptée. Député de Sartou. Merci, Madame la Présidente. L'Ordre des territoires du Nord-Ouest a été établi en 2013 par la loi qui reconnaît les individus qui ont servi avec grande distinction et excellence selon la section, entre parenthèses, 1. Il y a un comité de conseillers et la section 22, entre parenthèses 2, de l'emblème des territoires du Nord-Ouest. Le conseil sera composé de pas plus que 5 membres par l'Assemblée législative suite aux recommandations. Et la section 22 offre le membre du panel a un terme qui n'excédera pas 3 ans. Cela expire le 21 juin 2021. Le Conseil doit faire des recommandations au sein de l'Assemblée législative pour pouvoir préparer des recommandations au sein du commissaire. Donc, je suis secondé par le député de Haverford North que cet individu puisse être recommandé au conseil, Mme Sabrina Hatchett de Hay River et Mme Anne Peters, de plus que la date de celle-ci puisse être envoyée au commissaire par le président de l'Assemblée législative. Merci, Madame la Présidente. La motion est à l'ordre. La motion. La question est appelée. Tous ceux qui sont en faveur. Tous ceux qui sont contre, abstention, quelle motion est adoptée? Motion. Avis de motion pour première lecture de projet de loi. Première lecture de projet de loi. Ministre des Finances. Madame la Présidente, j'aimerais présenter le projet de loi 71 sur l'infrastructure, budget d'infrastructure 2023-2024, qui celui-ci soit lu pour la première fois. Merci.
Merci au ministre. Passons à la loi 8,3, entre parenthèses 1973, budget des immobilisations. Et celle-ci est maintenant prête pour une deuxième lecture. Première lecture. Deuxième lecture de la prochaine loi. Deuxième lecture, ministère de la Justice. Madame la Présidente, je suis secondée par un député de Yellow Knife Center que le projet de loi 65, loi sur les privilèges des constructeurs, soit lu pour la deuxième fois. Cela remplace la loi mécanisée. Cela change les lois sur les constructeurs. Cela change les contracteurs, les lois sur les contractants, sous-contractants, les revenus reçus et comment les lignes sont créées. Comment les contracteurs et les sous-contracteurs et l'expiration et la perfection des moyens, les droits à l'information sur les contrats, les sous-contrats, les fonds, les performances, l'examination et les responsabilités de donner ou de ne pas donner l'information. La juridiction par la Cour suprême, les pouvoirs, des priorités, l'utilisation, les provisions inhabituelles, les processus, les services, et les régulations, l'autorité. Merci, Madame la Présidente. Merci. The Yellowknife North. Merci, Madame la Présidente. Dans ma vie précédente, je travaillais avec nos mécanos et puis je voudrais... C'était une loi qui était très ancienne et je suis très contente de voir qu'elle sera révisée par le comité. Principe du projet de loi, la question est appelée. Tous ceux qui sont en faveur, tous ceux qui sont contre, tous ceux qui s'abstiennent, motion d'adopter. Projet de loi 65 est envoyé au comité plénier et deuxième ministre responsable des affaires communautaires. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je suis secondée par l'honorable député de Yellow Knife South que le prochain loi 66, la loi sur l'évaluation des impôts et l'impôt foncier, soit lu pour la deuxième fois. Ce projet de loi fait plusieurs amendements à la loi sur la taxation pour clarifier certaines définitions. Et le projet de loi fait des mises à jour au conseil municipal, provisions, les révisions. Pour permettre à les arbitres dans certaines circonstances, nous avons changé le titre de secrétaire et register. De pouvoir acheter des propriétés. Merci. La mission est le principe du projet de loi. La question est appelée. Tous ceux qui sont en faveur, tous ceux qui sont opposés, tous ceux qui s'abstiennent. Motion d'adopter projet de loi 66 étant ministre responsable des affaires communautaires. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je suis secondée par l'honorable député de Honorosa. Que le projet de loi soit lu pour la deuxième fois. Salut, c'est le projet de loi. J'assure que il puisse avoir un rapport
et qu'il y ait des mécanismes pour faire les appels. Codes autorisés qui ont été adaptés et que celui-ci soit fait dans une langue facile à comprendre. Merci, Madame la Présidente. La question est appelée. Tous ceux qui sont en faveur, tous ceux qui sont opposés, tous ceux qui s'abstiennent. Le projet de loi 66 est envoyé au comité. Deuxième ministre de la Culture et de l'Emploi, Madame la Présidente, je suis secondé par la députée de Yellowknife South que le projet de loi 68, loi modifiant les services de garde d'enfants, soit lu pour une deuxième fois. Nous sommes ici pour clarifier les exemptions, établir processus offrir des salaires pour les employés, un établissement de certification, qualification pour les opérateurs et les équipes, faire une mise à jour et aussi identifier les enfants qui doivent aller dans les centres de la petite enfance. Merci, Madame la Présidente. Merci. La question est appelée. Tous ceux qui sont en faveur, tous ceux qui sont contre, abstention. Mais sont adoptés. Projet 68 est envoyé en comité plénier. Deuxième ministre des Finances. Je suis secondé par le député de Beauclerc que le projet de loi 71, budget de l'infrastructure 2023-2024, soit lu pour une deuxième fois. Ce projet de loi autorise le gouvernement des territoires du Nord-Ouest à faire les appropriations pour l'année 2023-2024. Merci, Madame la Présidente. La motion est à l'ordre au principe du projet de loi. Question établie. Tous ceux qui sont en faveur, tous ceux qui sont contre, abstention, sont adoptés. Projet de loi 71 plutôt. Adopté en deuxième. Examen plénier et projet d'autres questions. Projet de loi 23-29, MS-204-19 entre parenthèses 2, dépôt de document 681-19 entre parenthèses 2, dépôt de document 6494-19 entre parenthèses 2. Député de Techo présidera. Maintenant, j'appelle le comité plénier à l'ordre. Quel est les ordres du comité? Député Gretzlaff. Je propose que le comité se lève et rapporte le projet. Il y a une motion sur le carpet pour qu'on puisse. Et la motion n'est pas débattable. Tous ceux qui sont en faveur. C'est unanime. La motion est adoptée. Je vais maintenant me lever et rapporter le progrès.
Je peux avoir le rapport du comité des plénières, député de Great Show. Madame la Présidente, le comité. Regardez le projet de loi 23-29. MS-264-19, entre parenthèses 2. TD-681-19, entre parenthèses 2. TD-694-19, entre parenthèses 2. Et j'aimerais rapporter le programme. Madame la Présidente, je propose que le rapport du comité plénier soit adopté. Merci. Est-ce qu'on a une seconde de la motion? Tout le monde est en faveur? Ceux qui sont opposés? Abstention, motion. Merci. Troisième lecture du projet de loi. Ministre des Finances. Madame la Présidente, je se propose par l'honorable député de Public, projet de loi 71 sur le budget d'investissement 2023-2024, soit élu pour une troisième fois. Madame la Présidente, je demande un vote enregistré. Député Yellowknife North. Quand celui-ci a été présenté, j'avais toutes sortes de demandes et c'était. C'est vraiment des demandes qui apportent l'information, Madame la Présidente. J'apprécie beaucoup la nouvelle approche. On m'a dit aujourd'hui qu'on aurait peut-être un plan ou non, mais je me demandais vraiment qu'est-ce qui se demande dans un budget d'investissement. La première question, c'était qu'est-ce que vous avez? Et on se demande qu'est-ce que ça vaut la peine. Ça a pris 3,6 millions de dollars. Mais nous savons que beaucoup d'entre eux n'ont aucune valeur. Je crois que si nous savons quoi, dans un territoire de 18 milliards de dollars, et nous savons que cela est vraiment terrible et nous devons vraiment remplacer. Mais cela n'est pas l'information publique pour les... Voilà quelles conditions. Je sais que le ministère fait des inspections. Nous savons aussi que nous devons aussi faire de la maintenance de dizaines de millions de dollars. Et je crois que nous devons dire que les conditions de toutes nos infrastructures sont en mauvais état. Que devons-nous faire? Voilà la prochaine question. Mais voilà ici une priorité. Que nous devons faire dans l'immédiat? Il y a beaucoup d'informations qui n'est pas publique. Que devez-vous faire? Voilà une question non seulement pour des fonds, mais avons-nous les équipes spécialisées, les équipes, nous savons ce que c'est, voilà un peu la capacité de ce territoire. Et cela devrait nous montrer dans nos plans basés sur les 30 ans. Mais on va se demander, donc, nous devons voir si nous pouvons joindre cet enjeu. Comment cela va-t-il coûter? Quelles sont les opérations? Quelle est la maintenance? Quel est le coût de remplacement? Et en dernier, comment allons-nous payer pour cela? Toute cette information devrait être dans chacun des plans. Voilà les questions ici que nous devons demander à toutes les municipalités. Celles-ci reçoivent des fonds, mais ce n'est pas quelque chose que, que le gouvernement des territoires du Nord-Ouest divulgue récemment. Et j'ai entendu ici un fonctionnaire qui a parlé qu'il y a un risque d'une spirale de dette. Et qu'est-ce qui se passe? C'est que si jamais les taux d'intérêt commencent à augmenter, alors il n'y aura pas assez de fonds pour avoir les infrastructures. Nous avons entendu de façon répétée l'état de nos infrastructures. Ils savent que vraiment les infrastructures ont besoin d'être maintenues, réparées. Si ce gouvernement va parler de la crise du logement, alors nous savons que le gouvernement doit en faire plus. MTA ne s'arrête pas de dire que toute leur flotte doit être remplacée. Donc, de la société d'électricité, on ne sait vraiment rien. Je ne comprends rien, mais ça serait vraiment utile d'en savoir plus, comme on fait, par exemple, de façon très similaire pour MTA. Je sais qu'il n'y a pas de rapport sur l'état de nos ponts. Je sais que ceux-ci sont vraiment en piètre état. Et toute cette information
Tout cela existe à différents endroits dans le gouvernement des territoires du Nord-Ouest, mais ça n'est pas vraiment présenté. Tout ce que nous avons, c'est une photo qui ne montre même pas qu'est-ce qui a été dépensé. On pourra voir qu'est-ce qui va être dépensé dans les prochaines années. Je sais qu'il y a ce débat à propos si on devrait divulguer cette information et quels seraient les coûts, mais à aucun endroit, on voit où sont les coûts. Et voilà une information que je dois toujours demander. Donc, est-ce que ces projets sont atteints sur un budget? Nous avons vu cela. On sait que les budgets ne sont pas complets, pas atteints. Nous devons être capables de savoir si nous pouvons essayer de livrer. Serons-nous capables de livrer, par exemple, ces 250 millions de dollars qu'on doit adopter? Nous savons que ça fait déjà des années de retard. Il y a une variété de raisons pour laquelle il y a des délais. Mais je me dis que tout cela doit être publié, enregistré. Et lorsque le cabinet demande des centaines de millions de dollars, alors ces questions doivent être répondues et doivent être répondues de façon sincère. Et c'est pour cela que je ne peux pas voter en faveur de ce budget d'investissement. Merci. Député de Tonnelly-Wilday. Merci, Madame la Présidente. Il y avait un article dans la CBC que le territoire du Nord-Ouest va recevoir 60 millions de dollars au cours des prochaines deux ans, mais maintenant ce financement va être alloué à d'autres fins. C'était les fonds initialement pour lutter contre la crise du logement. Alors, exact, dans ce budget, on va dépenser 35 millions de dollars pour réparer les unités publiques au sein des communautés, mais la CBC nous offre le financement de la société logement concernant l'entretien. Alors, je ne sais pas pourquoi on va viser plus de fonds lorsque ce n'est pas une crise de logement. Nous avons une crise de logement déjà au sein de notre communauté et c'est la raison, c'est où l'argent devrait être dédié. Je vais commencer plus tôt. Le train est déjà parti. Et les décisions étaient déjà prises, mais je me dis que l'année prochaine, ce 35 millions de dollars supplémentaires qui viennent du fédéral de diriger au gouvernement autochtone, comme ça, ils vont pouvoir s'attaquer à leur crise de logement. Mais présentement, ils ne sont pas en train de faire cette crise de logement présentement. Alors, je vais réserver ma décision sur ce point. Merci. À la motion, député de Great Slave. Merci, Madame la Présidente. Madame la Présidente, je suis d'accord avec les propos de mes deux collègues concernant les budgets de dépenses en immobilisation. Lorsque je regarde notre budget, la manière dont ils ont changé et les lois, le projet de loi de crédit qui s'en vient, je pense que c'est des opportunités manquées. Je pense qu'au cours des dernières années, nous avons justement On était en retard, juste la quantité d'argent qu'on n'est pas en train de dépenser qui vont être déplacés ou reportés les années à venir, ça démontre cela malheureusement. Je ne pense pas que le gouvernement des territoires peut exécuter des projets de manière opportune et d'une manière efficace. Alors, au lieu de dépenser plusieurs heures sur justement de glouton du gouvernement, de vraiment de s'assurer que l'argent est donné au gouvernement autochtone et de les habiliter pour faire leur propre travail. Je dois dire que le GTNI a échoué au cours des dernières années pour assurer l'économie et je pense qu'on devrait donner l'opportunité au gouvernement autochtone de le faire. À la motion, la question a été mise au voix. La ministre des Finances a demandé un vote inscrit. Tous en faveur, s'il vous plaît, levez-vous. Député de Yellowknife Nord, Sud, député Satou, député de Range Lake, député de Inuvik Boot Lake, député de Yellowknife Sound, député de Hay River Nord, député de Ghetto, député de Hay River Sud, député de Cam Lake, député de Nutput, député de Mumfrey, député de Great Slave. Député de Hyundai. Tout ce qui s'oppose, s'il vous plaît, levez-vous. Député de Yellowknife Nord.
Abstention, s'il vous plaît, levez-vous. Député Tunde Welde. Le résultat du vote inscrit 13 en faveur, une opposition et une abstention. La motion adoptée. Le projet de 71 a eu passé sa troisième lecture. Troisième lecture de projet de loi. Troisième lecture de projet de loi. Député, je vais maintenant vous demander de fermer vos ordinateurs et vos ordinateurs et vos ordinateurs, s'il vous plaît. Est-ce que vous pouvez confirmer que la commissaire, l'honorable commissaire est prête à donner sa sanction au projet de loi? Merci. Merci, s'il vous plaît, asseyez-vous. Bonjour à tous et toutes, Madame la Présidente, Première ministre, Cochrane ministre, députés de l'Assemblée législative, personnel et visiteurs durant la tribune. C'est un plaisir et merci. C'est toujours un plaisir, un honneur d'être présents ici et de vous voir à tous et toutes. J'aimerais vous remercier pour votre engagement continu et votre travail acharné de la part des Ténois et Ténoises. Avec un respect profond, je reconnais et je suis rappelé sur un territoire traditionnel de Tweetrakis, c'est l'homme de Tanahi, les Métis du Great Slave et les Inuits. Maintenant, on est reconnaissant de vivre et de travailler et de célébrer ici sur votre territoire sacré et d'accueillir nous en tant que visiteurs. Mais j'ai aussi mis de mes exprès tous les Métis, Inuit et Premières Nations et tous les Allochtones qui résident sur le territoire. C'est mon honneur de prendre ce moment pour me rappeler de l'éducation et le service qui a été fait par les anciens combattants et les combattants d'aujourd'hui de les forces canadiennes.
C'est la journée de la souvenir de Laurence Lombard, mais on va se rappeler et honorer tout ce qu'ils ont abandonné leur maison et leur famille pour lutter pour notre pays et de manière plus importante pour notre liberté. Il y en a parmi eux qui ne sont pas revenus chez eux. Ils sont disparus en train de servir le Canada. En tant que commissaire, je vais participer dans les cérémonies de journée de souvenir à Hay River. Et je vais me rappeler et honorer les combattants et leur ultime sacrifice qu'ils ont fait. C'est avec un grand respect et fierté que je mentionnais l'étampe qui a été issue par la Canada Post le 17 octobre. Ça démontre ce sergent Tommy George Prince. Dans son uniforme de la guerre coréenne, sergent Prince est un des soldats autochtones décorés et un combattant ancien. Il est un défenseur Anishinaabe. Il a desservi le Canada dans la Deuxième Guerre mondiale et dans la guerre de la Corée. Il est décédé en 1977. Le 8 novembre est le jour des anciens combattants autochtones. Et ce jour-là, je vais me rappeler et honorer tous les anciens combattants autochtones en participant dans la cérémonie qui va avoir ici à Lakeview, qui va avoir lieu ici à Yellowknife. Lorsque cette séance vient à sa fin, j'aimerais vous souhaiter à tous et toutes une bonne santé, la joie, la prospérité, un moment pour la relaxation et un mode de vie équilibré. Profitez de cette session bénie qui s'apprête à venir avec vos familles et vos commettants. Pour terminer, je vous souhaite que vous soyez octroyé la vision et la guidance nécessaires pour pouvoir travailler ensemble pour améliorer la vie de tous les Ténois et Ténoises. Je vous souhaite un retour sûr et sécuritaire à vos ménages. En tant que commissaire des territoires du Nord-Ouest, je suis ravie d'autoriser les projets de loi suivants. Le projet de loi 48, la loi d'arbitrage, projet de loi 52, la loi sur les ascenseurs et les monts de charge, projet de loi 53, une loi pour modifier la loi sur les boissons alcoolisées. Projet de loi 58, une loi pour modifier la loi sur l'Assemblée législative et le comité exécutif. Projet de loi 59, une loi modifiant la loi sur les élections et les référendums. Projet de loi 69, la loi des dépenses et mobilisation numéro 2022-2023. Projet de loi 70, le budget dépenses en mobilisation entre parenthèses 2022-2023. Projet de loi 71, la loi des dépenses de mobilisation infrastructure entre parenthèses 2023-2024. Merci.
Vous pouvez prendre vos sièges. Merci. Député, de la part de la Chambre, j'aimerais remercier la commissaire, l'honorable Margaret Home, d'être présente aujourd'hui ici. C'est toujours un plaisir de pouvoir l'accueillir ici dans cette Chambre. J'aimerais remercier les pêches qui ont participé avec nous pendant cette session. C'est super de pouvoir voir nos jeunes ici dans cette chambre avec nous. J'espère que vous avez appris un petit peu concernant notre forme unique de consensus, la manière que ça fonctionne et que vous allez maintenir cet intérêt dans l'Assemblée législative. Parce que vous, les députés, vont prendre une incidence sur vos vies aujourd'hui et l'avenir. Continuez le bon travail. J'aimerais aussi encourager tous nos pêches et tous nos jeunes dans les territoires du Nord-Ouest à prendre le programme parlementaire des jeunes. On accueille des jeunes des années 9 à 12. Et on a une session modèle ici. Ils ont l'opportunité de pouvoir prendre la parole et délibérer des enjeux importants. Si ça vous pourrait vous intéresser, ce programme, je vous invite à envoyer votre inscription. On aimerait aussi remercier les interprètes qui se sont joints pour cette séance. Et qui nous tolère lorsqu'on prend la parole à toute vitesse. Nos langues sont vitales pour nos cultures et honorer nos langues officielles en utilisant les interprètes rend ça possible. Député, j'aimerais aussi prendre le moment pour remercier notre sergent d'armes qui nous a servi pendant cette longue période de temps. Brian Gerhard, normalement, on ne reconnaît pas notre personnel pour leur dernière contribution à nos réussites. Mais cela, ça va être la dernière séance de l'Assemblée avant sa retraite bien méritée. Alors, je fais une exception pour reconnaître Monsieur Father pour son travail acharné d'éducation. Monsieur Sagan a eu une carrière de 32 ans avec le gouvernement territorial du Nord-Ouest. Au cours des derniers 18 ans, il a desservi cet établissement comme notre sergent d'armes. Ça le rend le sergent de la plan qui a été en fonction le plus long au Canada. Je sais qu'il aime pas être au centre de l'attention. Satisfaction importante, c'est de pouvoir garder les lumières allumées. Alors, je vais garder ça court, comme ça, je charge en dehors. Monsieur Sager a aidé de mener un programme excellent de pêche pour rassembler les jeunes des territoires, offrir des expériences qui ne seraient pas disponibles pour eux. Il a été aussi important pour pouvoir mettre un système de diffusion ici, y comprend justement une audience CRTC en vue de soutien pour notre demande. Comme ça, notre séance doit être disponible pour tous les ménages au territoire. Alors, même en tant que sergent d'armes, a supervisé la sécurité, les opérations, les améliorations à l'Assemblée législative pendant 2 décennies. On considère que c'est un bâtiment, une place du peuple et on croit que et on voit cela dans la philosophie de M. Tucker et son équipe, les améliorations qui sont apportées pour pouvoir atteindre l'accessibilité et la sécurité. C'est des excellents exemples de manière qui était capable de renforcer l'équilibre entre la sécurité du bâtiment en offrant tout temps ou en s'assurant tout temps que ce bâtiment demeure ouvert au public. Brian, ça fait tellement longtemps qu'il fait partie de cet établissement. On peut pas s'imaginer ce lieu sans vous. Merci pour votre éducation. Je sais que vous avez nommé une personne fort compétente, mais vous serez manqué de la part de cet établissement. Je vous souhaite, vous et Patricia, le meilleur dans ces prochains chapitres de votre vie, Brian. Le monde, c'est votre 8. Alors, on vous invite à profiter davantage. Député, vendredi prochain, le 11 novembre, c'est le jour de souvenir. Je vous encourage à tous et toutes. Et tous les Ténois et Ténois se prennent le temps de réfléchir et d'honorer ceux qui ont desservi ce pays dans les armes des forces armées canadiennes. Si certains d'entre eux, ils ont lutté pour se défendre ce pays, défendre la liberté et assurer notre futur. Dans ces moments difficiles, leur service et leur sacrifice
mérite notre reconnaissance. Plus que jamais, les députés, prenez ce moment pour remercier les membres des armées, de l'armée, des forces armées des Canadiens. Même si on ne va pas avoir une session de juste à la 2023, on va demeurer occupé. Il va y avoir du travail des comités, du gouvernement. Notre rôle le plus important, c'est de servir nos commettants. Et c'est ça. Lorsqu'on arrive dans la période de Noël, je vous invite à prendre un moment de réflexion et qu'est-ce que cette saison représente pour vous. Je vous rappelle aussi de célébrer avec vos familles et vos amis. Partagez avec eux l'importance qu'ils ont pour vous et comment vous valorisez leur amour et soutien. C'est un moment qui peut être difficile pour plusieurs personnes. Si vous vous trouvez dans une situation difficile, n'hésitez pas à vous mettre en contact avec plusieurs individus qui vous en ont pensé et qui vous aimeraient vous aider de toute manière possible. Si quelqu'un passe un moment difficile, si vous croyez que ça pourrait être le cas, n'hésitez pas à les contacter. En tant que Ténois et Ténoise, on soutient, on est là pour ici, on fait preuve d'entraide. Lorsqu'on est en train de célébrer les fêtes, n'oubliez pas de le faire de manière sécuritaire et de voyager sur la route et le territoire de manière sécuritaire. Merci, les collègues. J'aimerais prendre ce moment aussi. C'est Jennifer, Frankie Smith, la dernière journée de notre guerre fière, parce que lorsque notre retour au février, elle ne serait pas présente. Mais ça se peut. On va la voir pendant le prochain mandat, à voir elle va être de retour. Alors, l'ordre du jour, Madame la greffière. Aides en special committees en amigo de wets en indi kaode da wets ike in legots en nagode asi wakets en at ehi kaode da gets eke nintleta da ets eke indi nintleta da ets ike in legots en nagode commissioner wayatik e payats eti goinzi da asi eke Donne à la nitre giradara negale. Nawo wek etzon ra yati nita. Aquinflon nawo nitre wek etzon ra hats edi. Nawo hosle. Aquinflon nawo nitre wek eati. Nake ton nawo nitre wek eati. Bill 64. Nawo à la veron segeti ra ho'o. Bill 23, Bill 29, Minister Statement 264-19-2, Table Document 681-19, brackets 2, Table Document 694-19, brackets 2, Edani Legadi Veron Hagedi, Taitson Nawo Nitle Wek Eati, Indainze Edani Legadi Ha Wek Eati. This House stands adjourned until Tuesday, February 7, 2023 at 1:30 p.m.